Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Dark Even. Vous ne connaissez pas Utip? Quoi? Mais alors, on vous apprend quoi à l'école? Mais c'est incroyable! Mais Utip, c'est simple, point d'exclamation Utip, et ça vous permet de regarder une publicité de 30 secondes pour supporter votre streamer ou youtubeur préféré. Ben oui, évidemment! Non mais quand même, c'est incroyable ça! Bonsoir à tous! Alors, salut Dilart, salut Mort-Vivant, salut Xelo, salut Park Yamamoto. Park Yamamoto, j'aime bien. Il y a les... Salut Kramoner, salut Empereur, salut Dalmor. Bon, j'espère que vous allez tout très bien. Salut Skyly, ben oui, je vais bien. Salut Artus. On repart sur End of Fate. J'ai adoré ce jeu, ce petit jeu, parce qu'on peut voter, on peut jouer un petit peu, c'est participatif. Et merci Park Yamamoto, du coup, pour ton follow. On repart, hein. On fait la suite de notre aventure. On avait fait la première, donc on découvrait un petit peu le jeu. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que, du coup, il y a cette interaction avec Twitch. Je suis pas sûr, je me posais la question en mode, si tu jouais en solo, merci Dark Reaper pour le follow, si tu joues en solo, est-ce que c'est un jeu que tu jouerais? Et là, j'étais en mode, j'aime bien le côté Twitch quand même. C'est sympa, mais c'est vrai que je préfère le faire avec vous que de le faire tout seul dans mon coin. Tu vois, tu me balances Dead Cells, Slay the Spire, je peux les jouer facilement tout seul. Autant End of Fates, j'ai quand même besoin de me dire, il faut quand même qu'il y ait des gens qui jouent un petit peu. C'est plus sympa de le partager en fait ensemble. C'est vraiment un truc interactif, quoi. Je regarde toutes les pubs par jour pour Razed Dark. Merci Mort-Vivant, merci pour ton soutien, ça fait plaisir. Tu avais raison, Made in Abyss, c'est vraiment super. Nice Kali, je suis ravi que ça te plaise. Et d'ailleurs, il y a bientôt le film Made in Abyss qui arrive. Alors, je pensais que c'était une saison 2. Alors, ce sera un film qui sera sur la saison 2, le deuxième arc en tout cas. Et du coup, on attend aussi ce film avec impatience quand même, parce que ça risque d'être sympa. Alors, je vais modifier un peu le son quand même pour que ce soit pas trop fort non plus. Je l'avais mis juste le temps de... Voilà, retour. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Alors quand ça, c'est 2019, hein, c'est très vague pour Made in Abyss, mais voilà, en tout cas ça devrait arriver dans pas longtemps. Je te suis sous différents pseudos, ça marche. Eh bah écoute, en tout cas, ils sont inventifs, donc c'est cool, c'est toujours sympa. Bah oui, avec Twitch, tu as un chapeau, avec ton date Tinder, tu peux te give des trucs... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Dagabochi? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, Iraga! Made in Abyss, j'arrive pas à regarder à cause des dessins. Oh. Bon, je peux comprendre. Moi, j'ai vécu ça avec One Piece pour les dessins. Bon. C'est parti. On retourne avec notre petit personnage. Alors, la suite. Et je pense qu'on va retourner faire un truc. On va continuer notre partie. Je suis allé sur YouTube aujourd'hui aussi. J'ai vu mon com sur ta vidéo YouTube. Ah, nice. Mais je pense vraiment faire... parce que, en fait, on a un problème avec YouTube. C'est que... Utip, en fait, si tu le rappelles pas aux gens tout le temps, parce que vous savez, je fais moi ma blague, vous connaissez Utip, alors je sais qu'il y a des gens qui commencent à me dire putain, mais t'es relou avec ça. Mais le truc, c'est que si je le rappelle pas, en fait, des gens, tu vois la courbe, ça chute de ouf. Genre, tu fais une vidéo, les gens ils en entendent parler, et après c'est fini. Donc, le problème, c'est que je suis obligé de le relancer. En relançant, ça marche, parce que les gens disent ah ouais, c'est vrai, parce que bah voilà, on n'y pense pas forcément, tout ça, etc. Et du coup, je pense créer une sorte de jeu par mois. Avec peut-être une réponse aux questions Utip avec les Utipeurs. Faire un petit truc, tu vois, avec ceux qui soutiennent Utip. Donc n'hésitez pas à vous faire un compte sur Utip aussi, que je puisse avoir vos pseudos. Parce que je pense que je vais vraiment tenter des trucs avec Utip, faire des petits formats. Alors ça ne veut pas dire que je vais vous faire une vidéo par jour de Utip, hein, mais au moins une par mois pour dire le chiffre qu'on a fait, comment on l'a atteint, ce que vous avez fait, parler un peu des gens voilà, qui supportent, voir peut-être vous poser des questions dans les messages de Utip. Et par exemple, je vais répondre aux questions directement en vidéo, etc. Et comme ça, en fait, voilà, pour récompenser aussi ceux qui vont sur Utip et faire un petit truc un peu interactif avec ça, mais juste une fois par mois, voilà, pour parler du chiffre, ce qu'on a atteint, voilà, qu'est-ce que ça me permet de faire, etc. Voilà, pour que voilà, votre soutien soit en même temps, voilà, qu'il y ait un retour aussi un petit peu de moi par rapport à ça, pour dire merci à vous, c'est un remerciement, parce que voilà, vous donnez de votre temps, donc je trouve que c'est très important. Influenceur, il va nous faire des comptes Utip. Salut The Troopers. Allez, on est parti du coup. La suite, toujours en interactif avec vous, bien entendu. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi End of Fate 2, retour un petit peu sur la chose, nous avons plusieurs scénarios qui sont offerts, et vous voyez là, ici, on a fait le premier, le deuxième, alors le premier étant vraiment un tuto, le deuxième aussi, le troisième était notre vrai scénario, et qu'on va refaire d'ailleurs, parce qu'on l'a pas totalement terminé. On va jouer avec des cartes, en fait, et au fur et à mesure, on débloque des cartes. Ces cartes sont soit des équipements, hein, qui nous permettent donc de nous équiper, d'avoir des armes, etc., soit des cartes qui sont des scénarios qu'on va pouvoir jouer. Il va y avoir des scénarios qu'on
qu'on aura déjà affronté et qu'on a gardé dans notre deck, qu'on peut sélectionner pour de futures aventures, et des scénarios tout nouveaux que l'on va rencontrer à chaque fois. Le but étant de finir ces scénarios à chaque fois et d'obtenir une sorte de badge doré, hein, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier événement. Voilà, à chaque fois il y a une histoire et à chaque fois on peut le faire différemment parce que les cartes sont à chaque fois variées, on gagne des nouvelles caractéristiques, et donc il y a plusieurs objectifs sur la map, et donc ce qui fait que parfois, là par exemple, on avait réussi un objectif, c'était de battre le boss. Par contre, l'objectif de réunir 6 bénédictions, parce qu'il me fallait 6 bénédictions pour rencontrer la haute prêtresse, on n'a pas réussi. Donc, les bénédictions, c'est comme des sortes de reliques, si vous voulez, dans le jeu. Donc, c'est un style un peu roguelike, et en même temps, donc on joue avec des cartes, on fait une sorte de tarot, et parfois on rentre dans des phases d'action de combat, vraiment des vraies phases de combat, donc voilà. Et vous, vous allez voter au fur et à mesure, comme à chaque fois. Voilà, c'était le petit résumé, comme ça, si jamais il y a des gens qui posent la question, je vous fais confiance pour leur redire un peu la version rapide, courte, rapide, je sais qu'il y en a qui sont très très bons pour ça. Je vous fais confiance, comme ça, ça m'évite de le répéter, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me viennent, ils font « Oh, c'est quoi ce jeu ?» Voilà. Et c'est parti. Et donc, on va choisir, donc, ici, voilà, la haute prêtresse, puisqu'on doit... Alors, honneur du Nord, ne vous attendez pas à recevoir Nakushelo, voilà les nordistes, donc on va rencontrer beaucoup de nordistes. Gagner des bénédictions pour augmenter vos chances de réussite, ça, c'est ça dont j'ai besoin. C'est le badge en or du soleil. Et voilà, et le feu de camp, donc on a des feux de camp pour s'arrêter un peu à la Darkest Dungeon, si vous voyez. Parce qu'il y a une gestion de nourriture, etc. Merci Dinark, toujours un énorme support. C'est le premier à me dire toujours qu'il a pas compris, mais c'est le premier à directement envoyer le résumé. Donc il n'y a pas de problème. Il fallait bien que je mange un petit truc devant vous quand même. Alors, compagnon, bon, on n'a qu'un seul de toute façon. Alors au niveau des rencontres... Ça, c'est les cartes scénario, du coup, que j'avais utilisées. Donc là, du coup, on va les renvoyer, voilà, ici, parce qu'on a débloqué des nouvelles cartes. Et donc, on va voir un petit peu ce que l'on peut obtenir. Alors, Taverne Ouest-Voie, ouais, d'accord. Voilà, pas mal de solstice d'hiver. On va essayer de prendre le solstice d'hiver. Je sais pas ce qu'il donne, mais on va tenter la vieille dame. Voilà, parce que celles-là peuvent donner des bénédictions. Je commence à avoir beaucoup de cartes de scénario, hein. Parce qu'en fait, du coup, il y en a... Ah, voilà. Prière des temples, vous voyez ? Prière des temples, on est béni. Voilà, donc béni, ça donne une bénédiction. Donc, vous voyez, en fait, on va construire notre deck vraiment en fonction de ce que va pouvoir nous apporter. Alors, certaines quêtes qu'on a déjà trouvées. Donc, du coup, on sait ce qu'elles donnent. Donc, là, nous, on a besoin de bénédiction. Donc, si je tombe sur une carte qui... je crois que la vieille dame donne une bénédiction. Après, je sais plus s'il y en a d'autres, mais... Et du coup, ça va me permettre de me dire, ah bah oui, bah ça, je sais que je vais être béni, donc c'est ok. C'est des jetons, donc je sais pas trop. Là, je sais juste que je vais avoir une bénédiction prière de temple. La vieille dame. Darkly dans les cartes. Bon appétit, merci. Ah non, encore de la bouffe. C'est juste une pomme, les amis. J'ai déjà mangé. J'ai fait des petites frites maison aujourd'hui, des petites pommes de terre. Ça coûte tellement pas cher. 1,90€ le kilo. Tu peux te faire des frites, sa mère. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait ça. C'était bon. Et une petite pomme pour le désert, parce que tu sais, c'est le côté genre, je me sens un peu. J'ai plein de gras sur moi là, il faut vraiment que je fasse quelque chose quand même. Tu sais, c'est pour contrebalancer le karma. Alors là, on a un gain aléatoire, le fils du paysan, j'aime bien. Parce qu'il donne pas mal de trucs, mais on va essayer des nouveaux challenges. Le monstre dans le besoin, voleur de marché. Alors, je sais pas trop, la pêche, comment je peux savoir, là, parce que... Cartographe, agitation, ouais... Comment savoir? Parce que là, il y a que le prière du temple, en fait, qui me donne... Y a pas plus, j'aurais pas plus de bénédiction, en fait, par ça. Là, j'ai un gain aléatoire pour l'échange des gnomes, qui était un peu compliqué. Tu devrais essayer les frites de patates douces. Eh ben, écoute, je fais les deux. Donc j'ai aussi les patates douces, mais là ce soir c'était les frites classiques et patates douces, pareil, c'est pas très cher, j'en ai aussi, hein. Mais c'est juste que ce soir j'étais en mode, allez, pommes de terre, et la patate douce aussi c'est terrible. Ok, bon bah je vais tenter les nouveaux événements du coup, parce que là je, voilà, cartographe, ouais, cartographe c'est juste pour la carte, donc je sais pas, édifice en feu. Alors, ensuite, provisions, 5 de nourriture, ok. Et l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'ils me prennent en équipement? Oula, oh, ça a changé, ça. Alors, attendez, on va regarder un petit peu ce qui est proposé. Donc, le fléau d'hiver était cool. La lame cardinale aussi.
On a un marteau, putain. J'avais pas vu qu'on avait gagné un marteau. Credo du Berserker pour avoir plus d'armure. Et là, on a des trucs qu'on sait pas trop. Peut-être pour être protégé face au feu. Bon, je vais prendre le bastion de purification. Excusez-moi. On va prendre donc la lame, le fléau d'hiver, la lame cardinale. Je vais continuer de faire mon combo épée-bouclier. Hein. L'égide bienveillante. Et on va se prendre aussi, voilà, une petite armure cette fois-ci. En provision. Ok, soit tu prends de la bouffe avec toi, soit tu te prends directement une arme. Intéressant à savoir. Et donc du coup, en fait, je vais plutôt me prendre une épée. Quoique, des fois, on a besoin de bouffe. Non, je vais prendre la bouffe. Ok. Donc c'est fait. On est parti. L'épisode 3 de Moduction, il est top du top. Ah bah écoute, le 3 ? Oh bah c'est bien, t'en as encore plein à regarder. Salut Eredin, ça va bien ? Ouais, ça rime un peu, Irga, effectivement. Super vidéo encore aujourd'hui avec Moduction, rire garanti, hâte de voir l'arène. Ouais, il l'a fait, alors je peux vous le dire parce qu'en fait on l'a tourné en même temps. Ah bon, on a déjà un défi. Mais enfin, ouais, du coup, j'ai tourné en même temps, donc l'arène, effectivement, il y a une petite arène. Bon, on essaiera de la faire encore plus grosse, mais on a une arène. Mais dans une autre, Malaclips a réussi à convaincre de voyager vers le Grand Nord. Donc là, on a Contrefort. En général, je n'aime pas trop travailler pour l'Empire, etc. Demandez comment vous. Alors, je vous fais pas voter. On connaît les pilleurs, tout ça, on connaît le scénario, donc ça je vous fais voter. Voilà, on prend la bouffe et on est parti. On peut s'arrêter au feu de camp à chaque fois, voilà, pour récupérer notre santé, etc. Donc c'est parti. Premier, d'accord, on bouffe un blizzard dans la gueule direct. Bon, on connaît le blizzard. Vous pouvez voter déjà en passif avec A, B ou C. Alors c'est que des malus d'ailleurs, hein. Moins 15 de vie, moins 15 de vie, moins 15 de vie, d'accord. Bon, dans tous les cas, ce que vous allez voter, je vais me le prendre dans la tronche. Super, c'est que des malus. Comme ça au moins, si jamais vous avez... voilà, vous avez un choix... c'est difficile, hein. Moi j'aurais dit plus B, mais vous voyez, peut-être que A ou C, ça peut être cool, à voir. Donc voilà, truc passif qui change tous les 8 pas, bien entendu, de carte. Alors bien entendu, échec, grand échec ou réussite, c'est à vous de voter la carte. Alors, attention... C'est parti. On a deux chances de réussite. Une chance d'échec et une chance de grand échec. Si je me rappelle bien, l'échec, c'est... moins 10. Et grand échec... Tu dois te battre. On est obligé de se battre. ...46% sur le premier. Ça augmente un petit peu sur le quatrième. 42%. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? La boule magique dit échec en 1. Dinark. À chaque fois, il tente ses pronostics. On devrait faire des paris, hein. Je me ferai de l'argent avec ça. En plus de YouTube et tout. Utip, tout ça. Salut, Wolf Antares. Hello, hello. Allez, 3-2-1. Et c'est une réussite. Tu as perdu, Dinark. La boule magique n'était pas bien ajustée. Salut, Gips. Un blizzard féroce se déchaîne sur la montagne, etc. Donc on a pu se mettre à l'abri. Bon, on a déjà perdu 25 de vie quand même, hein, avant même de voir commencer. C'est super, l'ambiance est au top. Encore un blizzard. Ok. Eh, c'est sérieux là? Oh putain. Ah, j'ai pas de chance. Ok, on se balade sur un mont enneigé, donc forcément beaucoup de blizzards. Mais effectivement, dans notre aventure, c'est encore à vous de voter. Allez-y, vote de chance. Bon, vous connaissez les bails, hein, je vais pas vous les redire. Active le système de Paris Wisebot. Ah ouais? Il y a des systèmes de Paris? Enfin, je regarde sur Wisebot. J'ai pas beaucoup eu le temps parce que j'étais vachement concentré sur mes vidéos. Et là, je commence tout juste Fly for Fluns, donc je vous dis pas. Quand j'aurai fini Fly for Fluns, j'aurai un peu le temps de penser à d'autres choses. Quoique non. Parce qu'il y a d'autres projets aussi. 46% sur la deuxième. 50% sur la deuxième. Attention. Alors, Dinark, la boule magique dit échec en deux. D'accord. Donc, j'essaie d'être contre l'avis des autres. Pourquoi ne pas jouer à Marble on Stream? Et il faut que je le fasse, ça. Il faut que je le fasse, Gips. On me l'a proposé et j'avais complètement oublié. Il faut que je le note quelque part. Grand échec. Bah, tu vois, Dinark, c'est même pas ça. Alors, je repère 5 de vie.
sans même m'être battu, sans avoir rien fait, j'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Et en plus, je vais devoir affronter un trappeur de givre plus 4 mecs de givre. Et surtout que là, je crois que j'ai pas encore tombé sur des cases d'équipement. Donc pour l'instant, je vais me battre avec une batte en bois. Ah non, j'ai une hache. Ah oui, c'est vrai qu'au début, j'ai une hache. Ok. Je mange une pomme. Allez, mange. Merde. Il y avait plus de monde que ça, en fait. Allez, mange-toi ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de bouclier, donc je peux juste contrer son coup. Ah, ça va. C'est bon. Et du coup, on a plus combien de vie là? Ah, il est tombé dans... il est tombé dans le vide. Ouais, je refais la haute prêtresse, oui, Trapmaster. Bon bah. Donc comme je le disais, sans rien faire, on a déjà perdu la moitié de notre vie. Alors, on va cuisiner. Voilà, c'est bon. Alors, on va... Alors, je vous fais pas voter ça aussi, parce que c'est pareil, on met trop de temps à... On perd trop de temps et on veut avancer quand même. Acheter de la nourriture, acheter de l'équipement. Alors, l'équipement. Bastion de fortification. Ah, bah c'est toujours le même qui te vend, en fait. Ok. Bah ok. Et acheter de la nourriture sinon... ok, bah du coup on n'a pas à mettre fin à l'échange. Lever le camp. Très bien. On continue. Ascension. Rebrousser chemin. Il nous faut des bénédictions. Avalanche. 3 de givre. Arme à main, les pilleurs descendent sur le flanc de la montagne. Ok. Bon. Et donc bon, je vous laisse, je reviens plus tard. Ok, ça marche, les gars. Une bonne soirée. Bon, bah ça c'est fait. La boule magique est faite à base de 4 stylos de couleurs différentes et chaque couleur représente une carte. Ah! Ah, gagner de la vie. Cool. Ah oui, faut que j'évite l'avalanche. Alors attention. The singular is die, as I'm sure. Putain, c'est quoi ce score pourri là? Bones for the material from which they were crafted. Here, however, allez, on relance avec ça. Also bring a touch of life. Ah, ok, bah je me suis bouffé l'avalanche. Je suis heureux. Alors, du coup, on a des armes. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on va le fléau d'hiver et on change avec le bastion de purification. Voilà, déjà, on est bien là. Au niveau armes, c'est cool. On s'est équipé assez vite. J'ai l'impression que la structure des cartes est la même. Ah, l'édifice en feu. Vous entendez des cris s'élever devant vous. En descendant une rue pavée, vous apercevez des lumières passions. Vous apercevez le bâtiment en flammes, oui. Alors...
Alors que vous vous frayez un chemin à travers la foule, vous apercevez une femme implorant les villageois. « Je vous en prie, aidez-moi, ma famille est prise au piège, pitié, aidez-moi » »« Qu'allez-vous faire ?»« Let's go !» Oh my god, tu stream trop de bons jeux. Bah, tout ce qui est roguelike, hein, si vous aimez les roguelikes, faut regarder ma chaîne, c'est clair. Dès qu'il y a du roguelike, généralement, je suis dans le coin, quoi. Bravez-vous même les flammes, laissez Malaplix se chercher du chauffe-stage ou déclinez l'offre. Ça marche. Skyly, à plus tard. Ok, donc il y en a 88 qui sont chauds. Pour braver les flammes. Eh ben, c'est parti alors. Oh, c'est une roue. Il y a combien de divers éléphants de notre jeu en un seul? Attends, faut que j'appuie pour... Mais c'est quoi le truc? C'est quoi le but? Confirmez ou choisissez à nouveau. Bah c'est quoi le labeur? Un de labeur. Ouais, sinon il y a quoi? Il y a l'échec. Je sais pas moi. C'est la roue de la fortune. Confirmez ou choisissez à nouveau. Bah quoi? Ah je... Mais non, mais j'étais bien moi. C'est quoi un de labeur? À travers la neige de la fumée, vous trouvez la plus jeune fille de la famille pleurant sous un lit. Vous lui parlez doucement pour la faire sortir. Vous prenez dans vos bras et l'extirpez. Enfin, j'ai utilisé un bonus de l'escroc. Mais voilà, vous gagnez 2 de notoriété. Faites attention, le bâtiment n'est pas sûr, il va bientôt s'effondrer. Ok. Le dealer ajoute une autre carte perte vue au tirage. Alors, est-ce qu'on retourne dans le bâtiment, rejoue à la roue, sachant qu'il y a une carte de malus en plus, c'est-à-dire qu'on peut sauver encore 2 villageois? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'est dit, bon, on en a sauvé une? Là, il y a son mari à sauver. Est-ce qu'on sauve le mari? Oh, mari. Comment vous le sentez? On va même sauver la télé. Ouais, vous allez me mettre sacrément dans la merde, moi. Ok. On retourne dans le bâtiment. Ouh ! Eh, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Vous tombez sur le fils, qui cherche à échapper à la fumée. D'accord, c'est jamais le mari, quoi. Prenez la main et l'emmenez en lieu sûr à l'extérieur. Un villageois accourt à votre aide. Merci, brave mercenaire. Je peux m'occuper du reste. Mais faites attention, le bâtiment n'est pas sûr, va bientôt s'effondrer. La femme étreint son enfant, puis se tourne de nouveau vers... Mon mari, vous avez vu mon mari, etc. Est-ce que... On retourne dans le bâtiment? Ou est-ce qu'on décline l'offre? Allez, salaud. Mais les gars, on s'en sortait si bien, là. Conseil, serre les fesses. Bah ouais. Ah. Tu sens, il y en a quelques-uns qui sont en mode bon, ça va quoi. Mais t'as quand même la majorité qui est en mode bon, on veut que tu te foires quoi. Le feu c'est beau. Neuf enfants après, on trouvera le mari. Ah, oh la vache. En plus, elle tourne super vite. Oh! Bah voilà. Elle fracasse soudain, la poutre au-dessus de vous s'effondre, vous blessant et vous barrant la voie. Vous rebroussez chemin et vous sortez du bâtiment. Ah, on peut retourner? Deviens le mari. Vous êtes les pires. Vous êtes horribles. Alors. Ah! C'est partagé là, il commençait à avoir qui, ils disent non. Ou non. 69%, 30%. Vous voulez toujours que j'y retourne?
Bon, après, deux pertes de vie, je vous préviens, c'est la dernière. Si j'y retourne, c'est la dernière, hein, quand même, parce qu'il faut pas déconner. On va pas passer notre vie sur cette roue. On n'a pas assez chaud. Ok. On y retourne. Les pires. Allez, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui? Vous le prenez par l'épaule et vous hâtez de vous extirper de cet enfer. Merci infiniment, vous avez sauvé ma famille d'une mort certaine. Nicely done. Plus 8 de notoriété. Putain, en notoriété, laisse tomber quoi. Tant que tu as pas pris toute ta famille, on part pas. Bah, c'est bon. Il reste le chien et le chat. Non, je te jure que c'est bon. Pourquoi on perd 15 de vie ? Ils se bassent. Ah oui, c'était la malédiction des pas, putain. Oui, ça va mis cher. Alors, agitation à Simfer. Putain, on a eu aucune bénédiction sur cette première run, quoi. Craignez le prince des poisons, déclame un jeune garçon avec une petite casquette en distribuant des prospectus aux passants. Vous vous arrêtez pour lire un parchemin chiffonné et trempé par l'humidité des pavés. Le prince des poisons a encore frappé. Un nouvel empoisonnement de masse dans les rues de Basseville. Le maire passe la récompense à 500 pièces d'or. Un garçon s'approche alors que vous finissez votre lecture. Si vous cherchez vraiment à rester en sécurité, vous feriez mieux de couvrir vos arrières. J'ai exactement ce qu'il vous faut à un prix imbattable. En savoir plus sur le prince des poisons, en savoir plus sur les enfants... Ces enfants débrayés dans la ruelle, lieu encore inexploré, d'accord. En savoir plus sur une protection de la part du prince des poisons, lieu encore inexploré, ok. Bon, on va... Avant de vous faire voter, on va en savoir plus sur le prince des poisons. Il est responsable de tous les meurtres perpétrés récemment, s'exclame l'enfant. Des dizaines, peut-être même des centaines d'innocents sont morts, tous empoisonnés par le prince. Il frappe au hasard, n'importe où, et sans crier gare, il laisse tomber l'une de ses fioles, et au moins de temps, en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, la moitié de la ville meurt. Ok, et donc du coup, on a plusieurs endroits à visiter, je vous laisse décider sur ce vote. En savoir plus sur les enfants débraillés dans la ruelle, en savoir plus sur la protection de la part du prince des poisons, ou visiter la place du marché. Ta-ta-ta, à plus le ski pointu. J'ai oublié la télé, je sais, je suis navré. C'est vrai que j'ai oublié la télé, je suis navré. N'oubliez pas que l'objectif en haut aussi, c'est remis à jour, donc en haut, un hashtag ABC. À chaque fois, vous voyez que tous les 8 pas, ça se remet à jour, donc il y a des nouveaux bonus, moins 10 d'argent, plus 3 de nourriture, ou plus 5 de nourriture, en passif. Et vous avez voté, du coup, en savoir plus sur les enfants débraillés dans la ruelle. C'est plutôt ça qui vous intéresse pour l'instant. Sinon, Dark, tu vas bien? Oui, Iskagami, ça va bien. Ça va très bien. Très, très bien. Tranquille. Aujourd'hui, journée tranquille. J'ai beaucoup travaillé pour me mettre en avance. Donc aujourd'hui, c'était un... Je vous ai fait toutes les rediffs. D'ailleurs, toutes les rediffs de live sont disponibles sur la chaîne YouTube, si jamais. Elles sont toutes à jour. Donc là, sur YouTube, si vous y allez, vous avez tout de disponible. Hein, tout ce qu'on a fait jusque-là. Même le live d'hier a été posté. Comme ça, vous avez... Il doit y avoir au moins 20 vidéos de rediff qui sont passées, mais j'ai fait les petites miniatures, j'ai fait les playlists, tout est en ordre. Voilà. Vous avez voté, donc du coup, en savoir plus sur les enfants débraillés. Le garçon regarde en direction de votre doigt. Les parents de la plupart d'entre eux sont morts empoisonnés, et ils vivent désormais dans la rue. Le garçon secoue la tête et dit d'un ton désolé. Certains venaient d'une bonne famille, ils ne feront pas de vieux os dehors. Ils ne savent même pas quelles sont les meilleures rues pour mendier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On offre de la nourriture aux enfants, ou est-ce qu'on les ignore? C'est à vous de voter! Tu viens de finir de bosser? Ah, nice! La détente, c'est cool. Mets-toi bien, Ace. Alors, serez-vous gentil? Il y a aussi... alors, live RL pour ceux qui posent la question. Pour Rocket League, donc ce sera soit mercredi, soit jeudi. Demain, c'est du For the King. Je serai avec Désastre et Dark Shadow, du coup. Une soirée avec, donc si vous connaissez le streamer Désastre, qui fait beaucoup The Elder Scrolls Online. Du coup, on commencera tôt, parce que je pense que ce sera un live qui sera assez long. Donc, du coup, on fait du For the King à partir de demain soir. Voilà. Et donc, après-demain, soit mercredi, soit jeudi, on se fait un live Rocket League. Offrir de la nourriture aux enfants. Certains voudraient être radins, tandis que d'autres tentent la générosité. Que se passe-t-il? Qu'allons-nous faire? 56%, 43%, vous en êtes sûr? C'est bon, vous êtes ok, vous êtes sûr. Hein. On est bon. On est bon, il n'y a pas de... Vous le regrettez pas, là. Attention. On offre la nourriture aux enfants. Alors, on leur donne 1, 5 ou 10? Bah, disons, vous avez beaucoup voté. Laisse-les dans leur chiasse, il dit. Butez-les tous. Salut, Miss Québec-Port. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? Ah, il y a encore les radins qui disent non, mais on lui en donne qu'un. Après, 5. Et d'autres sont plus sur 10.
10 de bouffe, putain. Oh, oui, d'accord, vous êtes chaud. Ah, ok, ok. C'est le mec qui transpire un peu. Ah oui, vous... D'accord, bah je... Oui, hein. On va leur donner. On va te vider les poches. Ouais, vous êtes très généreux avec, avec ma nourriture, je vous remercie. Rien. Du coup, 52%, 10 d'unités. D'accord. Bon, bah, je vous suis, hein. Très bien. Une dizaine de mains crasseuses se déchirent la nourriture offerte. Chaque enfant tente de s'approprier ce qu'il peut glaner. Encore plus suite de notoriété. Le garçon du coin de la rue court vers la ruelle, ébahi. Vous n'avez jamais vu personne distribuer autant de nourriture. Vous perdez 10 de nourriture, vous gagnez 8 de notoriété. D'autres enfants crasseux surgissent de l'obscurité pour mendier de la nourriture. Soudain, un homme armé fonce dans la ruelle, faisant tomber par terre plusieurs enfants. Il s'arrête, pousse un juron et regarde derrière lui. Une femme aux cheveux gris, clairement en tenue de combat et portant diverses armes, se tient au bout de la ruelle. « Rien ne sert de courir, œil fou !» dit-elle. Ok. Et on a un anarchiste de cupidité. Œil fou dégaine son arme et les enfants s'écartent. « Je ne retournerai pas en prison » hurle-t-il d'un ton de défi. Attaquer œil fou, se joindre aux hommes et attaquer la femme, ou rester en retrait pour observer. Alors moi je pense, je vous explique ma théorie avant que vous votiez, je pense que on peut avoir un deuxième carte de compagnon, c'est-à-dire que la nana, si on joue avec elle, peut-être qu'on pourrait obtenir sa carte et l'avoir, parce que pour l'instant jusque-là, on n'a qu'un seul compagnon, c'est l'escroc, et je pense que la femme, il est possible qu'elle s'allie à moi. Mais, à vous, rester en retrait pour observer. À vous de choisir maintenant, parce que peut-être qu'en faisant autre chose, on peut peut-être avoir l'œil fou aussi comme compagnon, je n'en sais rien. Donc c'est à vous. C'est parti. Attaquer, se joindre ou rester en retrait. Ah ah. Alors. Salut des Ox. Alors désolé si j'ai raté quelques de vos messages, hein, comme on a les votes à chaque fois, c'est toujours un peu plus compliqué, j'essaie de les capter au passage. Du coup, nous avons attaqué œil fou 66%, se joindre aux hommes 19%, 14%. D'accord, la majorité quand même pour attaquer l'œil fou. It's time to fight. Time to fight. Ok, eh ben, écoutez, je pense que les jeux sont faits. 63%, le vote ne bouge plus. Ok, le vote ne bouge plus. C'est parti, on attaque. Et voilà, regardez, la chasseuse. À mon avis, on peut la récupérer. Ah, elle a des sortes de... Elle a des menottes roses. Moi, je dis rien, mais... Waouh. Allez, on y va. Allez, attaquons à Ufou et crevons. Peut-être que ce sera aussi quelqu'un qui sera mauvais pour nous, en vrai, on sait pas. Ah ouais. Ah, les menottes roses, ça vendait un peu plus de rêves. Mais bon, c'est comme ça, hein. Vous ne trouverez aucune âme charitable ici. Quand elle est activée, Ketura dégaine son arme du dos et tire sur les ennemis à portée, leur infligeant de gros dégâts. Restez proche pour recharger sa capacité rapidement. Ah oui, c'est vrai que l'autre il dansait. Ah oui, alors elle me protège pas. Eh, parce que je suis pas avec l'excro cette fois. Ah oui, c'est vrai que l'autre est... Ah d'accord. Ok, viens là. Baf! Salut Elfire Arthur! La femme aux cheveux gris s'empresse de poser le pied sur œil fou et déclare: j'emporte ce rien pour récupérer mon paiement! Bien que cette femme vous subjugue, vous vous retournez pour fouiller les cadavres des hommes avant de quitter la ruelle. On obtient 5 de vie max. On gagne 10 d'or. C'est bien ça. Vous quittez la ville agitée de Simfer avec le sentiment qu'elle vous réserve encore bien des surprises. Ah, on n'a pas obtenu le... Dis donc, l'objectif, parce que... Tu vois, on gagne des petits médaillons. On n'a pas obtenu le médaillon de la carte. Ok. Et on n'a pas eu de bénédiction, hein, donc pour l'instant, le truc de la prêtresse... Ascension, continue, passage suivant, voilà. Ça, je m'en occupe. Je veux dire, je passe certains votes parce qu'on gagne un peu de temps quand même. Ah, le breuvage béni, donc ça c'est une bénédiction. Alors que vous escaladez les pentes enneigées du mont Freydis, vous tombez sur une petite maison avec de la fumée sortant d'une cheminée. Une vieille dame chétive balayant son allée vous fait signe d'entrer. Vous lui assurez que vous n'avez pas de mauvaises intentions. Il est préférable d'apporter des bénédictions si vous souhaitez apaiser la haute prêtresse. J'en prépare une fournée en ce moment, même si vous voulez goûter.
En ce moment, même si vous voulez goûter. Oui. Si je réussis, vous pourrez lui amener. Voilà. Si elle réussit. Vous vous rappelez, il y a une chance d'échec. Le reste est donc de la bénédiction. C'est à vous de voter. C'est ce qu'il nous faut. Hein. Étouffe-toi avec le breuvage béni. Bah, sympathique, ça. Ah, le date Tinder, d'accord. Tu parles du mec... je viens enfin de comprendre ce que tu disais, Negabocchi. Le chapeau pour le maître du jeu. Salut Killer, bonsoir, bonsoir, bonsoir encore à ceux qui arrivent. Désolé, hein, je vois toujours vos messages, parfois il y a des pluies de votes, ce qui est normal, hein. Mais j'essaie de voir un petit peu. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas, ça me fait plaisir toujours de vous voir et de jouer sur ce petit jeu en votre compagnie. Le breuvage. La boule magique dit échec en 1, Dinark. Dinark. Eh bien on va voir ça tout de suite. On aime voter. Vous avez tellement découvrir des jeux dans ce genre. Oui, non, mais c'est trop bien de voter. Oui, non, mais ça, c'est... C'est pour ça, je vous le dis, c'est normal. Je vais pas vous dire de pas voter alors que c'est le but. Voilà, c'est une bénédiction. Retour des alliés. Ressuscitez votre compagnon au début de chaque nouvelle carte. Vous pouvez équiper autant de bénédictions que vous le voulez. Peu importe, du moment qu'on a une bénédiction, ça fait plaisir. Très bien. Continuons notre avancée. Allons-nous manger... Ah, la prière du temple! Faire un don ou décliner. Bien sûr, on fait un don, on a besoin de la bénédiction. Je ne demande pas le vote, parce que on est quand même là pour ça. Donc on va regarder rapidement. Donc le zélote d'or qui permet de récupérer de la santé à chaque fois qu'on gagne de l'or. Je trouve qu'elle est très cool cette carte, qu'on l'avait utilisée l'autre fois. Et clairement, je pense que... Alors il y a quoi d'autre? Ici, vous pouvez équiper, c'est quoi? Vous gagnez jusqu'à 20 d'or au début... Oui, alors ça non. Et là, maigre chance, tomber sur la valeur exacte dans un tirage des dés pour piocher deux cartes équipement, puis défausser cette carte. D'accord. On va prendre le zélote d'or. Parce qu'on gagne de l'or et on gagne de la vie grâce à cette bénédiction. Ok. Next. Well Blizzard. Solstice d'hiver. Durant la plus longue nuit de l'hiver, les habitants de Stiegal se réunissent autour d'un immense feu de joie pour célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Cette même nuit, l'Empire ferme les yeux sur l'emploi illégal de la magie. Vous rejoignez un groupe de paysans auprès du feu. En prenant une petite gorgée, une femme à côté de vous vous tend une coupe. Vous acceptez poliment la potion à l'odeur âcre et buvez une gorgée rapide. La chaleur envahit votre corps et vous sombrez dans une transe hypnotique profonde alors que vous regardez les flammes danser. Ça s'appelle du LSD, frère! Les habitants chantent, appelant les esprits de la montagne. Dans un déluge de neige, les esprits descendent et se joignent à la fête. Un hibou blanc curieux se perche près de vous et dit... Quand un e-book commence à te causer. Il y a quelque chose de magique chez vous. Si le cœur vous en dit, partageriez-vous vos bénédictions en échange de la longévité? Ah ben non, moi on veut pas donner les bénédictions, toi t'es fou! Ah putain, le solstice d'hiver, faut lui donner des bénédictions! Ah la vache! Bon, bah, vous savez quoi? Comme je ne sais pas si mon choix est bon ou pas. Salut Snifix! Je vous laisse voter. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on lui donne des bénédictions parce qu'on aura des bénédictions en retour? Ou est-ce que lui donner des bénédictions permettrait de donner de la bénédiction? Ou est-ce que le fait de décliner foirerait la quête? Bonne question. Moi j'ai pris le solstice d'hiver parce que... Bah, je vous avoue que je ne savais pas forcément à quoi m'en tenir. On a une sorte de truc en argent à gagner, donc ça peut être des récompenses de cartes, vous voyez le petit médaillon, à chaque fois qu'il y a un petit médaillon qui brille là juste en dessous, là vous voyez, il y a des trucs à gagner, mais alors il faut réussir. Si on décline, je pense que la quête du coup ne sera pas achevée, mais en même temps, bon voilà. Un mal pour un bien, etc. Salut TRT, ça va bien? Salut à toi, ça va très bien. Du coup beaucoup de gens préfèrent décliner quand même. Ok, donc vous préférez décliner. Vous pouvez échanger des bénédictions contre de la vie max. Ah! J'avais pas vu le petit i d'information, donc au final, je pense que c'est une bonne décision de votre part. Comme vous voulez, dit le hibou avant de s'envoler dans le ciel nocturne, vous fixez les flammes tandis que les festivités continuent autour de vous. Vous vous réveillez dans une étable au milieu d'un troupeau de vaches. En sortant, vous remarquez quelques gardes impériaux inconscients rassemblés à l'extérieur de l'étable. Ce qui veut dire que probablement qu'on va croiser des trucs. Perte de vie, d'accord. Ah oui, c'est bénédiction grâce à vous, ça c'est vos bénédictions. Là, on s'est mangé un blizzard dans la gueule. Comme d'habitude, à vous de choisir, hein, le blizzard, vous connaissez. Échec, grand échec, deux réussites. On n'a pas perdu les bénédictions. Laisse-nous faire, Dark. Nous sommes des professionnels. Très bien, Dinark. Il est vrai que vous êtes des professionnels.
Allons-y. Le destin de la destinée qui nous dessine. 25% s'étendu entre la 2, la 3, ça se précise un peu plus entre la 3 et la 4 maintenant, 33%, 30%, oh là là, c'est très équilibré, mais que va-t-il se passer? Peux m'expliquer le jeu, s'il te plaît, je connais pas le but. Eh bien, nous allons suivre les aventures d'un héros. Et donc, ce héros avance au fur et à mesure de case en case, comme un style de roguelike, on a des cartes d'équipement, etc. Parfois, il y a des combats, parfois, il n'y a pas de combat. Le but, c'est de terminer notre aventure. Là, par exemple, nous devons récupérer des bénédictions. Il y a des cartes scénario qui apparaissent. On en débloque de plus en plus dans notre aventure. On doit en choisir, puis il y en a certaines qu'on ne connaît pas, qu'on va devoir rencontrer aussi. Et il faut réussir au bout. Donc on a notre vie, notre nourriture, notre or en bas, qu'on peut voir avec nos cartes. On a des compagnons de route, on a des armes. Et voilà. Et donc le but est de survivre et d'avancer jusqu'au bout et d'accomplir les objectifs qui nous sont donnés. Et c'est une réussite, bravo, on échappe au Blizzard. Donc, et tu vois, par exemple, vous allez voter sur beaucoup d'événements qui arrivent à chaque fois. Je peux jouer, mais là, du coup... Et donc on a des petits campements, donc c'est un peu à la Darkest Dungeon, un peu sur certains points. Et en même temps, il y a des phases de combat en direct en 3D aussi. Il n'y a pas que du jeu de cartes, on a aussi du combat. Ok, alors... On va... alors comment si on veut échanger, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans l'équipement là? Un credo du Berserker, mais il a 36 d'argent, du coup ça aurait été cool, mais ça ne nous intéresse pas. Et en nourriture, on a 20 de nourriture. Bon, 20 de nourriture, pour l'instant, tranquille. Au niveau de la vie, ça devrait aller. On va cuisiner une fois, voilà, pour récupérer un peu de santé, mais ça reste ok pour l'instant. On lève le camp. Et on continue notre route par ici. Ascension. Bon, on rebrouche chemin parce que l'ascension, on passe au prochain étage. Nous, il nous faut des bénédictions. L'avalanche qui va nous permettre de récupérer un équipement. Avant, on va tuer des trappeurs de givre. C'est parti. Ça devient trop simple de trouver les échecs. Allez, mange-toi ça! Oupla! Attends, c'est LT? Oui. Voilà. Je me trompe encore dans les touches d'achèvement. Bon bah je t'achève alors. Terreur du Nord, succès déverrouillé. Bon, j'ai dû tuer un nombre de nordistes pour avoir ce succès. On sait quand qu'il crée, je suis une artisane de sa mort. Bon, du coup on a obtenu la lame cardinale et credo du Berserker. Nice ça. Bah du coup on va prendre le credo du Berserker. Parce que la lame cardinale elle est cool, mais ça me va très bien là déjà. La lame cardinale elle a l'air plus puissante quand même avec ses dégâts de zone, mais. Et donc du coup il faut qu'on échappe à l'avalanche maintenant. Oh, first try, c'est bon ça. A win here sets the tone for your challenge. Très bien, parfait. Du coup on peut récupérer une arme encore. Voulez-vous équiper? Non, mais. Du coup, là, si je regarde dans mon inventaire, j'aurai des trucs à vendre. Mais écoute, j'ai tenté quand même les lames cardinales. Voilà, on a le credo du Berserker, et qui permet pas mal de trucs. Augmentation des dégâts, frappe étourdissante, éclat, tout ça. Nice. Ok. Et pour celui-là, ouais, c'est bon. On est bien équipé. J'ai tenté la lame cardinale, j'ai l'impression qu'elle a l'air un poil plus rapide. Pas sûr, mais... On va voir. Alors, la vieille dame... She has done rather better than I.
Alors, demandez des provisions, demandez à rallonger votre vie, demandez de l'or. En traversant une sombre forêt, vous rencontrez une vieille dame frêle. Elle s'arrête pour vous saluer. Pendant des siècles, j'ai aidé les mortels perdus dans ma forêt. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour faciliter votre voyage? Ah, je pensais pas que la vieille dame ait donné ça. Ok, à vous de voter. Salut Thibaut. Bonsoir aux gens qui rejoignent encore. Alors, est-ce qu'on demande quoi? De l'or, rallonger ma vie, demander des provisions? Je dois malheureusement vous laisser pour ce soir. Bonne soirée à tous. Salut Xélo. Plus d'argent. Utip. Demandez Utip. Connaissez Utip? C'est bien. Salut Fouhou. La lame de cardinal, c'est pas celui qui fait une attaque de zone. Oui, c'est ça. C'est ça, Kelpi. Exactement. Alors, vous avez demandé de l'argent. Et elle nous donne de l'argent. Et ce qui est bien, c'est que, vous vous rappelez, à chaque fois qu'on gagne de l'or... Oh, attends, quoi? Elle a pris... Ah, le credo du Berserker. Or supplémentaire. Il donne de l'or en plus, dis donc, j'avais pas vu. Elle est géniale, cette armure, d'accord. Bouclier lourd. Par contre, le bouclier est lourd. C'est peut-être, en fait, c'est pas... Ah, d'accord. C'est que mon bouclier, j'ai une grosse défense, par contre, je suis plus lourd. C'est ça le truc. Donc c'est pas forcément la lame cardinale qui est plus rapide. C'est juste que mon bouclier me rend plus lourd. Allez, on continue. Par contre, on a que deux bénédictions. Et là, on est au scénar final, je crois. Le breuvage béni. L'Empire a fait de son mieux, oui. Voilà, plus haut des montagnes. Donc c'est la deuxième sœur qui nous demande de tester son breuvage. Et bien entendu, il y a deux chances d'échec. Cette fois-ci. Comme le dirait Dumbledore... Vous voulez chasser la noirceur, vous n'avez qu'à rallumer la lumière. Bon les coupables, je vais me reposer. Salut Eredine, brevet blanc demain, bon courage Eredine du coup. Tchuss, repose-toi bien. Alors. Bon, même si on n'arrive pas à chasser la haute prêtresse avec les bénédictions, on ira dans d'autres scénarios pour débloquer d'autres cartes et puis on reviendra quand on aura les bonnes cartes. Ce n'est pas un grand problème. Et ça vote 3, là, d'un pas assez assuré. On a la domination du 3, comme dirait Shadow Warp. La boule magique dit échec en 2. Très bien, Dinark. La noirceur vit dans la carte 3. Ah. Aha. Eh bien. Le second souffle. En combat, vous augmentez votre vie jusqu'à 75 lorsque votre vie descend en dessous de 25. C'était la bonne réponse. Bravo à ceux qui ont voté sur la carte. Demander de l'argent, on a eu de l'argent. Darky grimpe. Vous buvez une gorgée de cette potion aromatique, etc. Et donc on obtient une troisième bénédiction. Alors moi je sais que j'ai... Alors, le problème c'est que du coup, je sais que j'ai une carte qui va redonner une bonne bénédiction. Là logiquement, je crois qu'on n'en a que trois, on n'en aura pas plus. Voilà, manger le blizzard bien sûr. Moi je vote Always Instant 3 aussi. Un nouveau don est apparu. Vous avez réussi à changer sa couronne. Oh, j'avais pas vu. Au dealer. Le dealer, vous lui avez changé sa couleur à chaque fois. Quand vous appuyez sur L, etc. C'est les formes de chapeau qu'il peut avoir. C'est sur le C. C'est quand vous avez la forme de chapeau jaune, c'est pour changer. En hashtag C, c'est pour changer le chapeau du mec qui est maître des cartes. Hein. À chaque fois, il a des chapeaux rigolos, parfois non. Voilà. Vous pouvez toujours voter là-haut. Alors, sans crier gare, on se bouffe un blizzard, bien sûr. Réussite, échec, grand échec. Attention, on repart dans le blizzard. Vous, je crois que vous la connaissez par cœur maintenant. Vous l'avez rushé, vous arrivez à faire « Ah, moi, quand je vais chez Dark Heaven, le blizzard, je connais. » Alors, je connais. Hein, t'inquiète, je te décris tout ce qui se passe dessus. Oh, limite, c'est chiant, quoi. Enfin, oh, les blizzards, voilà comment je connais, quoi. Bon, vous ne savez plus quoi faire, là, maintenant. C'est vraiment la grosse habitude, maintenant, de se manger des blizzards. Alors, attention. Il y a encore la force du 3, c'est ça? Le 3 prédomine désormais dans les esprits. La boule magique dit échec en 3. Enfin, à force de voter en 3, il y a un moment où on va tomber sur un échec. Hein. Rappelez-vous, les amis, vous pouvez encore changer, parce que je crois que vous pouvez changer vos votes. Hein. Vous pouvez changer vos votes, c'est l'avantage dans ce jeu. Il n'y a pas de timer, donc si jamais vous avez fait hashtag 2, puis ensuite vous dites non, je suis pas d'accord, hashtag 3, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire le contraire aussi. Donc, vous pouvez changer. La mort l'emportera peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Nous verrons cela. Il y a de l'influence.
Voilà, des gens ont testé la puissance de changement de vote, et effectivement, vous pouvez changer les votes. 36%, on reste sur donc le numéro 3. Vous êtes sûr, hein? J'aime bien, je mets du doute à chaque fois. Vous êtes sûr ou pas? Mais vraiment, hein, vous avez décidé au préalable, vous avez vu avec l'huissier de justice, on est OK. On prend la 3. On est OK. D'accord. Eh bien, on presse le bouton maintenant. Ah, il y a une égalité 3-4. Ah, une égalité 3-4 encore. Attention, le proche premier qui bouge, le premier qui bouge, je le récupère. 38%, 38%, il faut que vous changiez d'avis rapidement. Changiez d'avis. Il faut que quelqu'un se décide. Et c'est la quatrième. Vous m'avez évité un grand échec. Bien vu à ceux qui ont changé d'avis. Une convention de prévue vers Toulouse. Je ne suis invité à aucune convention, à tous les messages que j'envoie pour les conventions, malheureusement. Je suis refoulé. On n'est plus assez influent. Donc j'aimerais bien faire des conventions, mais... Je commence à relancer des invitations, ça y est, je commence à dire salut, machin. Bon, le problème, c'est que la plupart me disent ouais, mais comprenez, machin. Et bon, comme pour l'instant, niveau argent, j'attends encore un petit peu là que. Bah, voir si YouTube ça tient bien, etc., tout ça. Parce que bah, faire un aller-retour, c'est toujours de l'argent, donc. Voilà quoi, un aller-retour en train ou même en bus, tout ça, bon. Je vois les coûts que ça peut donner, mais clairement je suis grave intéressé pour refaire des conventions. Donc, je commence à relancer, j'ai pas tout relancé encore, mais j'espère pouvoir peut-être avoir une petite convention sur laquelle on pourrait se retrouver qui ne coûte pas trop cher. Donc voilà, donc on essaie de s'organiser ça. Sinon on fera un petit truc entre nous, j'essaierai de trouver quelque chose comme ça pour le faire, c'est possible aussi, c'est possible aussi. Salut des monsages. Les prières du temple. Oui, on fait un don, on veut une bénédiction, évidemment. C'est quoi l'intervention divine? Après vos relances dans un tirage des dés, relancez vos dés les moins élevés. C'est bien ça. J'ai une intervention divine, même si je vais pas lancer mes dés. 4 bénédictions sur 6. Ah! Oh! Prière du temple! Oh oh oh! Oh, mais putain, mais j'y croyais pas, là, 5 bénédictions sur 6. Va-t-on réussir? Ah, un blizzard. Ah, soit j'ai une bénédiction du temple, soit c'est mort. Alors, que va-t-il se passer? Ah, mais il y a Gigic. Salut, Gigic. Bonsoir. Désolé, je savais pas si t'étais là ou pas, mais j'avais pas vu. Ça va? Non, je viens d'arriver, il y a 5 minutes. Ok, ouais, ouais, ça marche. Eh ben, ça va bien, et vous tous? Salut le tueur. Hello, hello. Allez, c'est à vous de choisir encore pour le blizzard. Vous connaissez les bails. 1, 2, 3, 4. C'est à vous. C'est à vous. De choisir, bien entendu, le destin qui vous destine de la destinée. 45% sur le 2. 45%, 46, 42, ça redescend. 40. Moi je veux le 1, est-ce que tu crois que ça va changer leur vote? Ah, tu peux tenter la manipulation, hein, ça. Ah voilà, c'est bon, j'ai repris le contrôle de ma manette. Ça peut marcher, parfois non. Parfois il y a des influenceurs dans le. Non, ça marche pas là, ils sont tous un 2 alors que moi je voulais le 1. Je suis déçu les gens, vous me décevez. Shadow Warp aussi a perdu son pouvoir de. Tu vois, je pense qu'ils sont gilets jaunes désormais, ils n'appartiennent plus à aucun pouvoir d'influence. Ils agissent comme une même entité, un groupe qui s'est scindé. Autour d'une cause commune. Le 2, c'est une réussite, bravo chers amis. Et donc il nous manque une bénédiction et ça va se jouer sur ces deux cartes. C'est horrible ça. C'est horrible, on veut. C'est à vous. Oui. Le sommet béni, donc non. Alors attention, deuxième carte. Taverne. Ah putain, la seule taverne de Westovois, le rasoir rouillé, est un havre de paix au milieu de nombreux dangers que réservent les confins de l'Empire. Le tenancier est assis à l'extérieur de son établissement, l'air abattu. À votre arrivée, il bondit sur ses pieds, et on croirait voir un sourire apparaître sur son visage. Enfin quelqu'un de la guilde. Ces soldats impériaux m'ont pratiquement ruiné. Avant que vous n'ayez le temps de le contredire, le propriétaire ouvre grand les portes de sa taverne et vous pousse à l'intérieur. Vous découvrez une poignée de soldats impériaux qui profitent de leur bière au lieu de faire leur devoir. Le tenancier, fraîchement revigoré, monte sur une table et crie pour couvrir le bruit. La fête est finie, bande de déserteurs paresseux et alcooliques. La guilde des intendants a envoyé quelqu'un pour vous renvoyer à vos postes. Cette ville a besoin d'être défendue.
L'un des soldats se lève en chancelant légèrement. Plus que 3 jours de garde avant de pouvoir retourner à la civilisation. Nous ne partirons pas au combat, à moins qu'ils menacent l'approvisionnement en bière. Pas vrai, les gars? Les soldats l'acclament et trinquent avec leur chope de bière. Vous prenez le aigle qui vous sert de badge et dégagez. Alors prenez le aigle, d'accord. Alors est-ce qu'on les menace ou est-ce qu'on les soudoie? C'est à vous! Allez, une petite menace là, oh! Est-ce qu'on les menace ou est-ce qu'on les soudoie? On les menace de ban, enfin! Qu'est-ce qu'on fait là? Cette taverne, les soldats bourrés. On sent la Gigi influenceuse. 100% menacée. Genre, personne qui a dit genre, non, non, c'est... Salut Mini! 100%. Eh bah. 100%, hein, genre, il n'y en a pas un qui a débordé. Genre, tu vois, les mecs, quand ils font leur coloriage, il n'y en a pas un seul qui a débordé, quoi. C'est ça. Salut Atlantica. On les bute tous. D'accord. Ah si, quand même. Ah, ça y est, il y en a qui... Omega, quand même, il s'est dit... Oh, les gars, il s'est dit si. Si, si, c'est vrai. Il y a des dissidents, c'est vrai. Allez, on les menace. Qui a osé que je le banne tout de suite? Vous suggérez d'un ton menaçant que s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, c'est une bonne raclée qu'ils vont prendre. C'est ça. Grande réussite, bonne échec, raclée. Échec. Ah, ouais, d'accord, ok. On a 3 chances d'échec, hein, donc on va sûrement partir en fight. À vous de choisir, sachant qu'il y a 1 chance sur 4 de les menacer, de les renvoyer, hein, bien entendu. Oh, une attaque du Utip sauvage. Mais vous connaissez Utip, du coup. Vous pouvez voter. Si vous connaissez Utip et que vous avez participé, vous pouvez voter. Utip? Non, c'est quoi? Formidable petite publicité que vous pourrez regarder sur ma page, bien entendu, et qui m'aide, puisque 5 centimes par publicité, vous pouvez en regarder jusqu'à 4 par jour. Par jour, oui, ce qui équivaut pratiquement à 20 centimes. Merci à ceux qui soutiennent à chaque fois sur Utip. 40% pour l'instant pour le troisième. On a 1 chance sur 4. 1 chance sur 4. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? Est-ce que vous êtes tous OK? Salut Tommy. On t'est chaud pour demain, toi, Tommy, avec des astres? For the King! Demain, c'est For the King, du coup. Et alors, Gigi, je voulais savoir, mercredi ou jeudi, t'es là ou pas? Est-ce qu'on voudrait faire un Rocket League? Oui. Tu sais qu'on aura peut-être un cross-platform? Je suis pas sûr, hein, faut qu'on teste, mais normalement, tout le monde pourra aller avec tout le monde. Tu seras peut-être libéré des plateformes. Ça serait pas mal. Donc ouais. Du coup, après je servirais plus à rien, mais. Mais si, bah il faut quand même les listes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, faut quand même les listes. Mais mercredi, t'es là du coup, toi? Oui. Eh ben du coup, on fera ça mercredi pour Rocket League, voilà. Salut Troll Creep, hello. 37% entre le 2 et le 3, c'est à vous de faire votre décision. Vous pouvez encore changer le vote. On a une majorité pour l'instant sur le 3 et le 4. Hashtag, n'oubliez pas que vous avez le vote passif aussi avec le A, B et C, bien entendu, qui permet soit de changer le chapeau, soit rajouter plus 10 d'or, soit rajouter plus 5 de nourriture. Je l'ai dit dans l'ordre inverse, mais voilà. Ça a été choisi pour le 3ème. Et c'est une grande réussite incroyable! Un soldat crache à vos pieds, mais tourne le dos et part. Les autres lui emboîtent le pas lentement. Incroyable! Quelle puissance! Vous avez réussi. Par contre, on n'a pas eu de bénédiction. Mais c'est pas grave, on débloquera d'autres cartes. Bon. Tristesse, 5 bénédictions sur 6. Parce que j'avais pas assez de cartes de bénédiction, malheureusement, et puis on n'en a pas trouvé d'autres, il me semble. Nous allons être obligés désormais d'aller dans le sommet. C'est parti. Voilà, votre entrée à la grande prêtresse. Alors qu'il vous envoie, j'espère que vous avez apporté une offrande dite de ce nom. Vous vous agenouillez devant la haute prêtresse. Seulement 5 bénédictions, pathétiques. Mouvement de son poignet, vous êtes frappé par des éclairs. Pour n'avoir pas apporté assez de bénédictions, vous n'obtenez pas de jeton d'or. Voilà, c'est le jeton d'or qui nous intéressait. Et malheureusement, il faudra encore attendre. Aïe. Et donc du coup, on va et se mesurer. Tommy te dit, c'est pas mal ton jeu, dis-moi. Ah bah oui. Alors là, on va affronter son champion qu'on avait déjà affronté. Ah oui, il est super ce jeu. Et du coup, on est parti pour affronter son champion, les trucs de givre, etc. Bon, on les avait déjà affrontés la dernière fois. On voulait le jeton d'or, mais pas assez de cartes, du coup. Donc, c'est reparti. Alors, on va essayer avec la lame cardinale, cette fois. Oh, putain. Faut faire attention, parce que lui, quand il frappe, il fait mal. Que j'aimerais bien m'occuper d'eux d'abord. Et à pouvoir. Oh, il y avait personne.
Tiens, mange-toi ça. Ah non! Putain, j'ai du mal. Yes. Voilà. Son truc a l'air impressionnant, mais en fait, il a pas une si grosse portée que ça. Mange-toi ça. Ah merde, il m'a chopé. Tiens, bâtard. Ouh. Bon, malheureusement encore un échec, mais on débloque par contre des nouvelles cartes grâce aux quêtes qu'on a fait. Donc, c'est pas grave pour ce scénario, on reviendra pour le jeton d'or, pas tout de suite. Avec les nouvelles cartes déjà, voilà. Parce qu'à chaque fois, Skyly. À chaque fois, vous voyez, quand on a les jetons de quête qu'on débloque, et ben ça débloque des nouvelles cartes. Donc c'est très important. Alors, un hiver amer. D'accord. Et celui-là. Et donc, plus la rareté du badge est gros, plus les cartes sont importantes. Parce que là, c'est des cartes de bronze. C'est des challenges bronze. Voilà, pour avoir remis l'ordre au rasoir rouillé. Donc vous voyez, là, je vais débloquer une nouvelle carte. Une carte, du coup, de scénario. En ayant réussi grâce à vous, quand on a fait la réussite sur les 3 échecs, justement, bah voilà, cette petite carte, ça m'a permis de récupérer 2 cartes. C'est pas la folie non plus. Mais ça donne déjà ça en plus. Et du coup, on va switch au prochain scénario. L'impératrice. This game is merely the lesser game. It is not the true game of life and death, merely my model of it. I must prepare you for the challenges you will face when we meet Callus in truth. Alors, maintenant, vous voyez, on a plusieurs cartes, on a encore plus de cartes. Alors là, dans les provisions, je pense que je vais directement partir avec une... Non, remarque, je peux partir avec une hache, donc en provision, je vais prendre de la nourriture. Vous voyez, c'est un style vraiment comme Darkest Dungeon. Au départ, en compagnon, j'en ai qu'un. Alors, les rencontres. Alors, par contre, il y a beaucoup plus de rencontres. Bon, ne connaissant pas le scénario de ces cartes-là, bah forcément, on va y aller en mode, bon, bah, let's go, hein. Alors, on sait pas. Alors, l'aubergiste amical, on va le tester. Donc il y a certaines cartes, comme on les a déjà croisées, maintenant on sait. Là, tu vois, on peut avoir un truc, par exemple, pour visualiser, pour afficher la carte. Ça peut être sympa, la bifurcation. Prière du temple, bah écoute, donner 6 d'or pour avoir une bénédiction, clairement, on va la jouer. La vieille dame, donc elle donne des bonus, des trucs et tout. Oui, Gigique. On te demande à combien coûte le jeu. Le jeu coûte 29€, je crois. Je l'avais eu en promo, parce qu'il est souvent en promo, je l'avais eu à... Je crois à 20€, un truc comme ça. D'accord. Il peut tomber à 12€ et tout. Mais là, en ce moment, il est full truc. Donc là, c'est des quêtes. Alors, vous voyez ces cartes-là. Donc, on peut avoir des cartes platine. Mais alors, j'ai pas du platine. Mais là, c'est des scénarios argent. Alors, l'hiver amer, le bras de fer. J'ai envie d'essayer. Alors, c'est des challenges. Donc, qui peuvent permettre de débloquer des nouvelles cartes. Donc, quand on les réussit. Donc, c'est plutôt cool. On a toujours pas réussi. L'enfant perdu... C'est vrai qu'on s'était fait avoir par l'enfant perdu, le monstre dans le besoin, etc. Voilà, et ça c'est des scénars bronze, etc. qui permettent de débloquer des nouvelles choses. Alors il y a des quêtes qu'on n'a pas réussi, donc du coup le truc c'est pas débloqué. Et donc en fait le saut, oui voilà, ça c'est des trucs qu'on sait qu'on va les avoir. Ça permet vraiment, c'est des scénarios qui nous permettent de débloquer à chaque fois, si on y arrive, des cartes. Donc du coup c'est bien de les faire, parce que du coup on a plus de chances quand on termine l'aventure de débloquer de nouvelles cartes. Pour mes armes, bon bah comme d'hab, on prend un fléau d'hiver, le bastion, l'égide et le credo du berserker. Alors sachant que là on a plus d'équipement, on va prendre les anneaux. Voilà, et un bouclier à 10, très curieux aussi parce qu'un bouclier léger comme ça peut être sympa. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Les pillages, la rencontre avec les nordistes sont courantes en ces lieux, d'accord. Puissance héroïque, gagner suffisamment de notoriété pour brandir la puissante arme Kourou de RT. Erta, le goût des choses simples. On dirait Erta, mais c'est Reta, mais bon. C'est un peu... Ok, j'arrête de dire des conneries. Et on est parti, du coup. In this case, the Empress is a symbol. A leader of the northern clans, but not their only one.
Donc voilà, on a comment deux balles. Comment ça, c'est le bordel, Québec Power. Yuti, c'est hyper simple. T'as juste allé sur le lien. T'as même pas besoin d'avoir de compte, hein. Sauf si tu veux laisser un message. Si tu veux laisser un message, faut créer un compte. Hein. Tu connais Utip ? Oh, ça va marcher. Ah si, le lien s'est mis. Vous êtes tu pas obligé. Tu cliques hein. sur le lien et c'est bon. Il y en a si. Alors après, vous pouvez mettre un compte parce que vous pouvez laisser un petit message, etc. Et comme ça, je le vois. Mais sinon, vous pouvez même être en mode. Ouais, inconnu nous, et tout, moi je suis en mode incognito, personne sait que je les regarde. Mais après, voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Après, c'est vrai que le site est en développement, donc on est d'accord, il est pas hyper stable dès que vous commencez à faire des manips dessus. Quand il s'agit juste de regarder la pub, ça va. Des pilleurs ont détruit notre village, explique l'ancien de Talos, une voix étouffée. Ils étaient envoyés par un funeste chaman du Nord. Voilà ce qu'il cherchait. Il retire un énorme marteau de guerre de sa cape. Kourou de Erta. Je vais appeler Erta parce que ça me fait trop rire. C'est la seule arme capable de briser le sceau protégeant leur camp. Il vous tend l'arme. Oh. Moi je l'appellerais jambon. Parce que... Ah, il faut 20 de notoriété, d'accord. Je me demandais à quoi servait la notoriété, d'accord. Ah, fallait des quêtes pour la notoriété, bah merde. Parce qu'en fait, l'autre fois, là, on était pas mal en notoriété. Mais là, du coup, j'ai pas pris de carte. Donc vous voyez, de toute façon, c'est des trucs, tant que t'as pas fait le scénario, c'est pour ça que c'est un peu style roguelike. Parce que parfois, on va te donner le scénar, tu vas le faire, et en fait, après, tu vas recommencer avec les bons trucs. Pour équiper cette arme, il vous faut 20 de notoriété. Ok. On va poser des questions vite fait sans voter, demander ce que vous devez faire, vous devez trouver le courage de manier cette arme et vaincre la chamane avant que le cinquième village ne tombe. Le village a besoin d'un héros, la ville Brydon est sûrement en danger, vous devez les prévenir. Ah bah c'est bien de... D'accord. Demandez comment utiliser le courroux de Erta, demandez les informations sur la chamane, une créature maléfique et très puissante, elle ne s'est jamais apparue sur la champ de bataille, mais j'ai entendu dire qu'elle dirige ses guerriers depuis son camp dans la forêt de l'Est. Nous avons envoyé nos meilleurs guerriers à la recherche, mais une barrière magique empêche quiconque de pénétrer son sanctuaire. On dit que le courroux de Erta, voilà, machin, il permettra de faire le truc. Okay, demandez des informations sur l'Empire, l'ancien grimace. Empire ? Qu'est-ce que l'Empire a jamais fait pour nous? Des créanciers et des vautours. Nous avons subi 6 pillages cette année et n'avons pas rencontré un seul soldat. Une belle protection. Ils sont moins dignes de confiance que les pires des dieux. Sûrement des macronistes, ça. Alors, commencez la quête. Merci, j'espère que le sacrifice de Talos ne sera pas vain. Il incline la tête, que les dieux veillent sur vous. Alors, du coup on a le chemin du roi. On y va. Bonne fortune. Ah, ça c'est vous, c'est votre vote. Un nouveau vote passif est actif pour le hashtag ABC. Plus 25 de vie ou plus 5 de nourriture ou un nouveau chapeau pour le 10 heures de bonne aventure. On est tombé sur une boutique. On peut acheter de l'équipement. On a déjà 20 d'or. Acheter de la nourriture. Alors, l'équipement... D'accord, tout est très cher. Résistance au feu. Ouais, sachant qu'on est contre des nordiques, c'est-à-dire plutôt du truc type gel. Ouais, pour l'équipement, c'est mort. Acheter de la nourriture. Qu'est-ce qu'on a en nourriture? D'accord. On va se reprendre un peu de nourriture. Hein. Un petit peu. Ouais, 3. Voilà. Et ben, c'est parfait pour nous pour l'instant. Hein. On gagnera un peu plus d'argent plus tard. La route du roi. En suivant les instructions de l'ancien Talos, vous vous retrouvez sur la route menant... Ah, c'est pour rebrousser le chemin, d'accord. C'est la route du roi, donc on s'en fout. Ok, je comprenais pas, je savais pas ce que c'était la route du roi, mais d'accord. Une femme appelle à l'aide. Ah, c'est la demoiselle en détresse, pitié des moi, crie-t-elle. Vous vous rappelez de ça, la femme en détresse? Non, je suis pas en détresse, pas vrai. Hey, Shadow Warp. Merci, Québec Power, pour ton abonnement, Shadow. Ah, c'est encore Service Québec Power qui se relâche. Eh ben merci. Ça refait un sub à Shadow Warp. Merci bien, Miss Québec Power. J'en ai lui qui s'est déjà bien éclaté. C'est déjà 20, oui. Et bah. Moi, je donne à ma manière, mais c'est génial, merci. C'est un énorme soutien. Tous les soutiens sont bons de toute manière. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on l'aide ou est-ce qu'on l'aide pas? Je vous rappelle ce scénario parce qu'on le connaît quand même. Si on aide la femme et qu'on arrive au dé, la femme donc va juste nous filer de la thune, etc. Si on n'arrive pas à l'objectif au dé, du coup, elle sort ses couteaux et elle nous dépouille. Enfin, et on doit se battre. Ah, d'accord. Ouais, ouais, en fait, en fonction de ce que tu réussis ou pas, ça crée des scénars. Donc ça peut créer du fight ou pas de fight, ça dépend en fait. Alors du coup, il nous faut de la notoriété, donc on va essayer d'aider la femme en détresse. Hein, parce qu'on est d'accord, la population en détresse, il faut qu'on gagne en notoriété pour manier le gros marteau. Donc là, clairement, vous voyez, c'est comme tout à l'heure quand on a aidé les enfants, etc. Pareil, là on aide tout le monde, hein, parce qu'on veut de la notoriété, donc on veut être bien. On aide la femme en détresse, c'est parti. Et ça se joue au dé 14. Alors 14, c'est pas évident, hein. Le premier lancé... 14 direct, waouh!
Waouh. Waouh. Mais c'est fou. Accepter ce jeton en gage de gratitude. Bah oui, du coup, vous gagnez 2 de notoriété. Nice. Parfait. La vieille dame demande des... c'est à vous de voter, hein. Provision, rallonger la vie ou de la thune. Vous connaissez, on fait souvent du hashtag Utip sur celle-là. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Attention. Roger Fin, j'ai raté quoi? On est dans le début d'un nouveau scénario, Negabuchi. Du coup, on essaye de gagner de la notoriété pour réussir ce nouveau scénario. On vient tout juste de commencer, on a 2 de notoriété, il nous en faudra 20. Quand on arrivera au cinquième scénario, parce qu'il va y avoir 5 plateaux, je crois. On est à 5 niveaux, donc on est sur le premier niveau. Donc il faut qu'on monte sur 5 étages, on va dire. Je vais parler d'étages pour que ce soit un peu plus... voilà, là on est sur le premier étage. Et au cinquième, il faudra qu'on ait 20 de notoriété pour manier un gros marteau. Marteau du destin. Le gros marteau. 66% demandent de l'or. De l'or. Des bijoux. N'oubliez pas, bien entendu, de voter aussi avec le ABC aussi qui est au-dessus. Hein. Ça fonctionne aussi. Attention. Et on demande donc de l'or. C'est parti. 5 d'or. Waouh. Radine. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Bras de fer. Ah, on n'avait pas réussi le scénario. Vous partez... Parce que l'autre fois, je m'étais barré, je crois. Vous participez à une compétition de force. Le gagnant reçoit un prix en or. Durant la deuxième manche, vous êtes assis en face du vieux Huntley l'édenté. Il se vante d'avoir travaillé comme assassin pour un chef criminel. Allez, attention, 12 au lancer de dés. 9. On voit clairement... C'est raté. Ah... C'est vrai que c'est pas si gros que ça. Non, c'est Clem qui manie le gros marteau. Moi, je manie le balai, moi. Bon, j'en relance 2. Ah ! Chier ! Je crois que tu as loupé. J'ai perdu la manche. Après avoir été vaincu dans la seconde manche, vous ne recevez qu'un petit prix. Et du coup, je peux plus rejouer. Ah ! Ah non, ben non. La game est terminée. Vous arrivez sur les marchés de la ville pour rencontrer l'associé de Malaclips. Vous le trouvez... Alors là, il y a un truc de... Il y a des cartes à gagner, là. Vous le trouvez assis sur une couverture près de l'entrée des égouts. Vous ne sauriez dire s'il s'agit d'un gobelin, d'un humain ou d'une pile de chiffons graisseux. Quelques marguerites et lentilles d'eau flétries sont liées par une corde et éparpillées sur le sol autour de lui. Murk ! Malaclips appelle la créature, les bras grands ouverts. J'ai une faveur à vous demander, mon bel ami. L'homme gobelin, graisseux, lève une main pour interrompre les jacasseries. 10 pièces d'or avant tout, vous le savez bien. Est-ce qu'on lui donne ou est-ce qu'on ne lui donne pas? Ah ah ah. Bon, si vous voulez qu'on débloque des cartes, clairement, il va falloir lui donner de la thune, je pense. Hein. Je pense, mais t'inquiète. Pas forcément. Mais, ouais. T'inquiète des ox, hein. C'est pas parce que je manie pas un marteau qui fait pas aussi mal. Hein. Les briques du jardin dans le sac à dos. Paf! Ok, bon, bah je pense que le résultat est sans appel. On donne 10 pièces d'or. Vous perdez 10 d'or. Murk regarde Malaclips pendant un moment. Ce genre d'information coûte plus cher que quelques pièces d'or. Vous bafouillez d'indignation. J'aurais besoin qu'il fasse ses preuves, dit-il en se retournant et en vous montrant du doigt. Prenez une fleur et mangez-la. Le fleuriste graisseux vous montre ses piètres marchandises. Malaclips acquiesce, comme s'il s'agissait d'une requête équitable. Mangez une marguerite, mangez une ne m'oublie pas, mangez la fleur violette brillante. La violette. Alors, attends, je sais pas, là. Lui, il dit, prenez une fleur et mangez-la. Ok. Alors... Nous, on veut la violette, nous. C'est vrai qu'on peut... Oui, en fait, le choix, là, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on bouffe des marguerites, une fleur violette brillante ou une ne m'oublie pas? On va se droguer, hein. Là clairement on est parti pour se droguer. Prends la drogue violette. Prends de la weed ou prends du bon shit sa mère. Qu'est-ce que tu veux? Le bon shit sa mère. Alors, mais c'est la violette. Moi je voulais qu'on fume de la tulipe, mais bon, hein, tant pis. Non, on veut de la violette. Gigique influenceuse. J'ai dit, je veux la violette. À cause de Shadow Warp, j'imagine Gigique avec un balai qui joue de la guitare en faisant un énorme solo. Ça m'a tué. Ah. Salut les Utipiens. Salut Apophis. Les Utipeurs. Salut, salut. Vous êtes des Utipeurs. D'accord, la fleur violette. La fleur a une texture brûlée et croustillante. Et d'accord, 15.
15 quoi? Faut que je fasse 15 au dé. C'est-à-dire qu'il faut que... Et ouais. J'ai un sacré chiffre. Ouais, mais violet, c'est... Tu vas le faire, souple. Oh. Soit 5, soit 6, soit j'ai perdu. Oh la vache. Bon, on va tenter avec ça, parce que relancer tous les dés, c'est... Oh putain. Du coup, je fais une indigestion, là. Vous sentez une vague de chaleur intense partant de votre estomac jusqu'à votre cou. Vous vous effondrez au sol. Vous vous réveillez tandis que Malaclips vous asperge d'eau. Murk est parti. Vous le voyez essayer de voler un pain aux céréales sur les chopes du boulanger. Nous reviendrons plus tard et nous réessayerons. Moi, j'étais sûr que la violette, c'était la bonne, hein, pourtant. Ouais, les cartes scénario. Alors que la nuit approche, vous voyez le rasoir rouillé, vous pouvez faire pour vous si vous avez besoin de soins. Je suis un modeste guérisseur, nous avons à manger, si vous avez faim, enfin. Si vous avez votre propre matériel, vous pouvez vous reposer ici pour un certain confort. Parlez des dernières rumeurs. Pour aller à l'auberge et demander comment vont les affaires. Se soigner, acheter un repas ou se reposer, de quoi avez-vous besoin? Commander à manger? Non. Il y en a un, il veut toujours la buffe, hein. Toujours. Ouais, je voulais choisir, on pouvait dire oui, non, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, je voulais choisir. Donc Shadow, si toi tu veux la bouffe, moi je vais choisir... laisser. Il y a que deux choix. Non, je veux pas faire comme Shadow. Tu veux un Big Mac? Moi j'ai goûté celui au bacon. Je trouvais que c'était pas terrible, hein, mais bon. Je trouve qu'ils t'arnaquent au Big Mac. En fait, ils prennent un steak, ils le coupent en deux pour te faire deux étages. C'est. C'est un peu ça. C'est l'arnaque carrément. J'étais très déçu. Mais je ne joue pas, Shadow, je ne joue pas. Presque 300 euros de publicité avec YouTube, vous êtes à 271 euros. Mais vous êtes des fous! De publicité depuis le début de. Depuis le 8, hein, exactement. Donc ça fait une semaine et demie à peu près. Donc bravo. On s'approche du vrai objectif, hein, qui est toujours de 400 euros pour le mois au moins en publicité. Donc voilà. Commandez à manger, c'est parti. Alors. Ah oui, d'accord, faut acheter. Oh ouais. À 6 pièces d'or? Ouais, non. Alors, vous savez quoi? Non. Parce qu'en fait, on n'a rien. Vous partez, d'accord. L'aubergiste, c'est nul comme scénar. Merde, je fais les cons. Ouais. C'est pour lui changer son chapeau. Changement de chapeau! Waouh! El sombrero. C'est pas un sombrero, mais presque. Allez, la route du roi. Continuez. En direction du prochain village. Donc on a 5 villages, hein. En notoriété pour l'instant on a 2. Laisse tomber quoi. La nuit tombe alors que vous poursuivez votre quête. Mais non Trap, t'as pas 2 steaks. T'en as un coupé en deux. Parce que tu regardes la taille d'un vrai steak dans les autres hamburgers, il est 2 fois plus épais. Donc ça équivaut à un steak sur 2 étages. C'est nul. Ah, vous vous rappelez de ça? Alors que le village est en feu, 3 braves fermiers tentent de prendre la défense des survivants. Ah, le village en feu, c'est pas pareil. L'un d'eux vous interpelle. Par pitié, aidez-nous. Nous devons arrêter ces sauvages avant qu'ils ne vous massacrent jusqu'au dernier. On a 3 de labeurs, donc on a 3 paysans avec nous, et on a 4 de givre et 1 trappeur de givre. Bon, ça va. Je sais pas combien il y a de trappeurs de givre, mais... Les armes de type à une main sont recommandées contre les nordistes, oui. Allez, c'est parti. Le premier village qu'on retrouve est en feu. Ah, c'est vrai que j'ai qu'une hache pour l'instant. Moi, je maintiens aussi. Why do you keep getting us into these situations? 2 demi-steaks, pour moi, ça fait pas... Ça fait 15 steaks, Trap. Je maintiens aussi, hein. Je ne changerai pas d'avis. Et Dieu sait que je suis têtu. C'est trop bien, parce qu'en fonction des scénarios, etc., ils ont vraiment... Vous voyez, là, on est dans le village, etc. Je trouve que, à chaque carte de scénario, il y a vraiment... Là, par exemple, on est dans un village en feu. Il y a vraiment le village en feu. Et ça c'est cool quoi, ils ont pas fait juste une carte générique, ils ont vraiment mis tout le truc en place, avec les paysans, tout ça. Ça je trouve ça très très cool. Ça reste relativement simple, mais c'est vachement sympa.
Bah, très bien, Poffy, c'est toi. Comment vas-tu? Ok, c'est bon. J'avais pas beaucoup d'armes. Bah, en fait, Dinark, ça existe pas des demi-man. C'est où on te banne ou on te banne pas. Mais par exemple, si un demi-ban égale un kick, eh ben, je suis désolé, deux demi-ban ne valent pas un ban. Ah putain, il faut de la notoriété maintenant pour équiper des armures. Oh la vache. Ah mince. Ah la vache. Bah ouais, non, continuez. D'accord. Ah, pour toutes les armes. Ah vache. Subissez 50 coups en combat pour déverrouiller cet éclat. D'accord. Ah, il y a des éclats à déverrouiller en fonction de. D'accord. Bon, je vais quand même la prendre, puis on verra plus tard. Ah bah c'est bon, j'ai reçu deux notoriété. Ah bah c'est ok là. Alors, oui, il regarde vers le sud côté. Si vous êtes assez brave, vous prétendez, vous devez les sauver. Qu'un autre village, d'accord, faut qu'on aille sauver l'autre village. Ok. Alors attendez, parce que du coup, si je regarde ma carte... non, c'est pas ça. Donc là, j'ai gagné 4 de notoriété. Qu'est-ce que j'ai actuellement? J'ai un bouclier en bois, et donc le fameux marteau qui demande... On te dit, tu n'es pas assez connu pour mettre ce pantalon. D'accord, moi j'ai pas compris la blague, mais si ça te fait rire, je suis contente. Bon, je vais garder une épée, un bouclier en bois. Plus sympa pour se battre. Je préfère me battre au bouclier quand même. Voilà, je sais pas mal aussi, mais j'aime bien l'épée-bouclier pour l'instant. Ok, et donc là, je peux camper. Bonne nuit, Skyly, merci d'être passé. Bonne nuit, Skyly, pose-toi bien. La nourriture en vente a été actualisée, l'équipement. Alors, cuisiner. Alors, échanger. Qu'est-ce qu'on a en équipement? Baston de purification, toujours à 33. On peut acheter de la nourriture, mais bon, pour l'instant, on va mettre fin à l'échange. Lever le camp. Alors, l'embuscade des pilleurs. Quand un, ok. Un léger bruissement dans votre dos vous alerte d'un danger. Alors que vous retournez, vous vous retrouvez attaché par les cordes d'un bolas nordique. Vous tombez dans une embuscade. Ah, alors comment ça se passe quand c'est une embuscade? Qu'est-ce qui se passe quand on est embuscadé comme ça? Ah, c'est joli. J'aime bien les environnements. Bonne nuit Shadow Warp, merci d'être passé. C'est joli, les petits environnements sympas. Ah, les bolas. Merde, quel con. Je voulais tenter une garde. Ok. Donc là maintenant ça y est, on peut équiper ça parce que j'ai assez de notoriété à 6. Alors, est-ce qu'on les dépouille ou est-ce qu'on reprend notre chemin? On les dépouille. Je sens Dinark, il a instant dépouille. Le texte est à peine arrivé, il a fait dépouiller. Salut Fariardo. Salut Fariardo. On dirait un combat de Transformers. Tu repenses à Nier Automata, c'est ça? Ils ont l'air d'être tous d'accord, hein. On dépouille, oui, on dépouille. Je pense que là, ils sont d'accord. Ok. Oh, ah, on peut perdre de la vie. Ah, attends, il y a deux chances sur... d'accord, ouais, d'accord, la dépouille, c'est... Il y a deux chances pour qu'on gagne quelque chose, et il y a deux chances pour qu'on perde de la vie, et l'autre, je sais pas ce que c'est peut-être juste un échec. À vous de choisir. J'ai pas eu le temps de voir tout ce qu'il y avait, mais j'ai vu qu'il y avait un truc où tu perds 10 de vie, et un truc où tu perds quelque chose.
Si vous choisissez mal, les gens, je vous banne. 25, 25, 12, 37, la quatrième carte pour l'instant à 33%. Attention, ex aequo avec la deuxième, la 2 et la 3. Attention, la troisième commence à reprendre aussi de l'influence. Finalement, c'est redépartagé. Et la quatrième qui revient en première position. Ouh là là, incroyable, que va-t-il se passer encore? Y aura-t-il des changements dans ces cartes? Oh, mon Dieu, tant de suspense. Je crois que la quatrième commence à se confirmer maintenant. Attention, 3, 2, 1, commentateur de choix de cartes au pourcentage. Le 3 et la deuxième, bien entendu, commence à revenir en tête à tête. Hein, elle se frite bientôt sur la ligne d'arrivée. Et non, c'est la troisième, bien sûr, qui a repris 38%. Ce n'est pas une majorité absolue, mais pourtant, ça reste la troisième. Voilà, majorité toujours sur le 3. 3, 2, 1. Allez, mec, faut changer le truc. Et non, c'est la deuxième. Et c'est ex aequo. Les mecs, ils pètent un câble sur le sondage. Quoi. 2, la 3. Attention. Prochain changement, je prends la troisième. Et c'est 20 d'or, bien joué. Vous dépouillez le cadavre et vous obtenez 20. Bien vous remarquerez vu. Que dans tous les jeux, ils dépouillent les cadavres. Hein. Bah, ouais. Dans Atlas, ils bouffent Tommy. Ouais. Non, mais c'est normal. Jeu. Magasin généraliste. Alors, acheter de l'équipement. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? La lame cardinale. Ah, oui. Ouais, mais alors elle demande combien de notoriété, elle? Activer la capacité de l'arme 10 fois pour déverrouiller cet éclat. Oh, sa capacité spéciale, hein, on y est bientôt. Elle demande pas de notoriété, celle-là. Elle la demande pas non plus. Non plus. Non plus. Gagner 10 points de vie max tant que vous avez plus de bénédictions que de malédictions. Tu sais, tu peux avoir des malédictions. Ouh. Ah, c'est un truc qu'on n'a pas encore eu, ça. Bon, je prends une petite lame cardinale, hein. Is that your choice? Et on va essayer de vendre de l'équipement. Ah bah non. Non, on va pas vendre d'équipement, en fait. On a plus d'argent, donc voilà. On dit au revoir, maintenant. Voilà, on est pauvres. Donc on a tout donné sur la lame cardinale. L'enfant perdu. Alors un challenge en... Enfin, on vous rappelez un peu, hein, parce que pour réussir le challenge, l'enfant... Ah, c'était un jeu de dés, je crois. Puis on avait foiré le jeu de dés. C'était un gosse et qui nous a trahis parce qu'on avait raté le jeu de dés. Donc, faut proposer le destin du garçon. Sauver le garçon ou proposer de lander le garçon au donjon. L'autre fois, on s'était planté sur un lancer de dés, je crois, et donc du coup, le gamin est parti alerter des soldats et on a dû se battre. D'accord. Mais, en fait, en fonction de nos choix, tout peut se transformer, en fait. Ça dépend de ce qu'on va faire, quoi. Oh, ils sont trop gentils, sauf le garçon. Moi, je l'emmène au donjon. Bah, je sais plus ce que ça avait fait, mais je crois que... Non, je crois que j'ai pas eu ce scénario-là encore. On sait pas encore. On sauve le garçon. Vous tirez votre arme et leur demandez de laisser partir le garçon. Oui, voilà, parce qu'il y a des soldats qui le menacent. Les soldats impériaux ne craignent pas vos menaces. Donc voilà, vous proposez de sauver les... Ah, ils ont du mousquet en plus. Ouais, les soldats impériaux sont un peu casse-couilles. Parce que les mousquets sont grave casse-couilles. Mortels à distance, seuls les plus talentueux sont recrutés pour en faire partie. Les mousquetaires tirent des attaques lourdes. Alors je pense que c'est... Voilà, attaque spéciale. Du coup j'ai sorti son éclat normalement. Voilà, c'est que l'épée frappe vachement plus vite. Tiens, salopard.
Voilà. Okay. Du coup, on a déverrouillé l'éclat de l'arme. Alors, je sais pas ce que c'est l'éclat de l'arme, mais on va voir. Ce jeu est aussi difficile qu'Adibou. C'est les débuts, hein. Alors, parce que du coup, ça, c'est pas fini. Ah, on a déverrouillé. Ah, voilà, on a déverrouillé l'éclat de la lame cardinale. Ah, donc du coup, vraiment. Ah. Ok. En fouillant les gardes inconscients, vous remarquez que le garçon vous regarde, circonspect, comme s'il vous jaugeait. Voilà. Et là, au dé, l'autre fois, on l'avait perdu. Et donc, en perdant, le gamin nous a trahis. Eh ben, cette fois-ci, on a réussi notre lancée. Donc, du coup. Il tripote nerveusement une petite plante rouge séchée autour de son cou. D'accord, je vais vous le dire. L'Empire a attaqué notre village. J'ai couru avec ma mère, on a été séparés. Il essuie ses larmes avec rage. Mais je n'ai pas peur. Je suis du clan Patféline. Super. La recherche du nom. Et nous sommes de très bons pionniers. Je retrouverai mon chemin. Le garçon vous dit ce qu'il sait sur la région. Ah, cartographe, demoiselle en détresse. D'accord. Cool, la demoiselle en détresse, on a besoin de notoriété aussi. Et on gagne de la notoriété. Et du coup, on gagne... Ah, le jeton. Ah non, le jeton, il s'est barré. On l'a pas gagné. Ah si, on l'a gagné. On l'a gagné. Nice. Bon, parfait. On va faire la demoiselle en détresse, vous connaissez ce scénar. Soit aider la femme, soit ne pas l'aider. Bien entendu, on a besoin de notoriété, let's go. Ah, j'ai faim d'un coup. J'ai mangé, mais j'ai encore faim. Moi, je viens de finir. Ah, je me suis mangé un truc, là, j'étais... Je me suis dit, c'est bon, je vais être calé. Bah non. Salut Yorner, salut Pete. Bonsoir à vous, les gars. Salut Yorner, Pete. Pete, Yorner, enchanté, Dark Evan. C'est quoi ce jeu, Pete? Est-ce que Dinark, tu peux nous faire un... Quelqu'un peut faire un résumé? Je dis Dinark parce qu'il le fait rapidement, mais... Bon, alors... le jeu... T'as pas un petit copier-coller quelque part, Dinark? Ah, j'ai pas de copier-coller là sur ça. C'est un peu. Nous suivons des scénarios faits à base de cartes, avec donc des combats, etc. Il y a plein de scénarios. Et donc à chaque fois, on a des scénarios qui nous demandent eh bien, de faire des choses. Là, par exemple, il faut que j'obtienne de la notoriété, donc en sauvant des villageois, etc. En termes de scénario, chaque carte représente un scénario avec des items à débloquer, etc. Et donc, à chaque fois, on a plein de petits jeux, plein de choses, de challenges. Là, par exemple, on a une femme en détresse, voilà, bah, va falloir essayer de la sauver. Donc là, je vais faire un lancer de dés. Si mon lancer de dés est au-dessus, eh ben, on va pouvoir la sauver, donc c'est cool. Si on peut pas la sauver, bah, elle va se transformer sûrement en quelqu'un qui est un pilleur, en fait, déguisé, qui va essayer de nous voler notre argent. Voilà, il y a plein d'événements, il faut survivre au fur et à mesure du scénario. Et voilà. Donc là, le scénario, par exemple, c'est on doit tout simplement libérer un village qui est donc emprisonné d'un sceau. Et il nous faut 20 de notoriété pour manier un gros marteau qui permettra de briser ce sceau. Donc actuellement, on a 8 points et il nous en faut plus en faisant plein de petites quêtes au fur et à mesure. Dinark a trouvé un bon résumé. Il t'a dit c'est un jeu facile. C'est un jeu facile. Voilà. Là, je relance 2 dés. Yes! Oh, ça passe! Parce qu'on veut de la notoriété, donc valait mieux que ça passe. Donc là, mon dé passe, par exemple, donc la nana va être contente, voilà. Merci, dit la femme, voici ce jeton. Donc le jeton, on l'a déjà eu. Donc forcément, on va juste gagner de l'or, c'est cool. Voilà, petit bonus, on gagne de la nourriture, nickel. Et on gagne 2 notoriété, encore une fois. Donc c'est parfait. Parce qu'on est déjà à 10 de notoriété sur 20. Sachant qu'il y a, je sais pas, 5 villages, je crois, à les sauver. Donc pour l'instant, on est pas mal. Donc là, on doit, il y a des villages qui sont attaqués par le nord. Potion gain de vie. Ah, j'ai... Alors, et là par exemple, quand vous avez des jetons, donc voilà pour Pete et tout, je te le réexplique un petit peu. Quand on a des petits jetons de bronze comme ça, en fait, à chaque fois, on va gagner des nouvelles cartes pour nos futurs scénarios. Parce que c'est nous qui choisissons certaines cartes de nos scénarios, pas tous. Et ça permet justement de dire, tiens, là par exemple, dans cette quête-là, j'ai besoin de notoriété. Donc tu prends des cartes avec des scénarios qui donnent de la notoriété. S'il y en a certains, il faudra des bénédictions, il y en a d'autres, il faudra des choses, etc. Donc en fait, ton aventure, tu vas la créer avec des éléments en plus à côté. Donc voilà, et donc là par exemple quand on a des jetons de bronze, d'argent ou d'or, etc. Ou même quand on termine notre quête, eh ben, on va débloquer des nouvelles cartes qui serviront pour les aventures suivantes. Ou même pour refaire une aventure. Du coup, oui, cartographe itinérant est prêt à vous rémunérer en échange d'informations sur les zones que vous avez visitées au cours de vos récents voyages. Je n'ai pas besoin de connaître la position de chaque pierre ou du cours d'eau d'ici à la capitale, mais je suis persuadé que tout ce que vous pourrez me dire sera utile. Donc... En échange de vos informations, accepter 12 pièces d'or ou pour revenir plus tard, on a tout exploré. Ça, c'est un petit peu comme le truc dans Hunter the Gungeon, tu sais, quand on va avoir Link pour qu'il nous donne un bonus, pareil. Bon, bah du coup, on lui donne nos infos. Hein. Je vais pas le voter, là, c'est logique.
Voilà, on prend la thune. Par contre, c'est bien de savoir ça. Cartographe, il faut repasser plus tard, comme ça tu cartographies tout, tu repasses le voir et il te donne de l'argent. Ah bah en fait peut-être pas, parce que du coup le mec, le jeton ne s'est pas débloqué. Peut-être qu'il faut lui demander plusieurs fois. Il faut lui donner plusieurs trucs avant de débloquer le scénar. Et du coup on continue au prochain village. La nuit tombe alors que vous poursuivez votre quête. La route du roi. Une tempête se lève au moment où vous arrivez à Tarin, alors que les pilleurs l'attaquent. Le Tarin. Donc voilà, on a des paysans encore, on va sauver leur village pour gagner de la notoriété. Vous dégainez votre arme et vous précipitez à leur secours. Et c'est reparti, les nordistes. On défonce du nordiste. Hein. C'est inadmissible. De quoi? Bah de défoncer du nordiste. Ils sont gentils, les gens du nord. C'est le nord, ouais, mais là, c'est les très nordistes. Ouais. Ceux de Lille, parce que les très nordistes, c'est le de Lille, hein. Après, t'as les normands, ils sont moins du nord, mais ils sont du nord aussi. Sans parler de la choucroute, qui est de l'autre côté du nord aussi. La choucroute. On défonce les bouffeurs de choucroute. J'ai l'impression d'avoir Excalibur avec la lame cardinale. Hop! Aha! Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer. Ah, on a gagné une... Ok, on a gagné une bénédiction. C'est pour ça que c'est compliqué à expliquer, parce qu'en fait, t'as des phases aussi, tu vois, de combat aussi, donc en fonction de l'équipement que j'ai eu, etc., bah ça influe vraiment sur mon jeu en 3D, quoi. Et puis après, on a, voilà, toute cette gestion aussi. Infliger 30% de dégâts lors du prochain combat. Excusez-moi, j'ai un petit ok. Défausser ensuite cette arme. C'est ensuite cette carte. D'accord. Ok, le prochain combat, genre on va faire 30%. Et on gagne 4 de notoriété. 14 points de notoriété sur 20. On commence à être pas mal. Oh, putain. On était... Putain, ils nous ont bien servi, là. Ok, la route du roi, elle est par là, donc on va partir là. Embuscade des pilleurs. Ah bah voilà. Ah bah on a une embuscade, ok. Oh, des trappeurs de givre. Ils sont 7, ok. Salut Naos! Hello! Salut! Allez, l'embuscade des trappeurs. Ils sont nombreux, hein. Par contre, j'ai 30% de dégâts en plus. Ce qui va être plutôt pratique. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Hop, c'est bon. Ah ouais, je mettais un bouclier et tout, mais le petit bouclier, en vrai, il fait le café, hein. Je pense que j'ai pu utiliser le bastion, parce qu'au final, c'est vrai qu'on est beaucoup plus rapide. Le bouclier lourd, en fait, grosse défense, mais du coup, moins de mouvement, alors que là, on est à l'aise, quoi. Allez, encore de la... Alors, est-ce qu'on dépouille ou pas, les gens? Ça va bien, Naos, la grande forme. Écoute, toujours. Plaisir de pouvoir jouer, en plus, avec petits jeux participatifs. J'adore les jeux. Ils devraient faire plus de jeux participatifs, en vrai. C'est tellement bien. Une embuscade de mob pas très fort. Mais en même temps, on a la lame cardinale, hein, donc à partir de là, on est assez puissant. Je sais pas si c'est à cause des scénarios qui sont trop lèches pour l'instant. C'est vrai que le jeu est assez facile. Je sais pas si on peut changer la difficulté ou pas. Bon, c'est vrai que là, la difficulté a été faite de manière à ce que... pour l'instant, on a vraiment pas eu beaucoup de problématiques, quoi.
Quoique, je dis ça tout à l'heure, quand on s'est bouffé les blizzards, j'ai quand même perdu 50% de ma vie en 3 tours, sans rien avoir pu faire. Donc on va dire que ça se trouve, il y a des scénars qui te défoncent. C'est plus dangereux là-dedans que dans le reste, en fait. C'est plus dangereux en jouant avec les cartes, etc., plutôt que les phases de combat. Les phases de combat, c'est pour un peu le plaisir de jouer, etc., se faire le boss. Le boss peut être un peu chiant, parfois. Après, on n'est pas tombé sur tous les monstres, encore. On est vraiment au début du jeu. À voir. On n'est pas arrivé à 50% du jeu, encore. Ok, 40%, 50%. Attention, 2 chances pour gagner de la vie et de l'or, ou 2 chances d'en perdre. Avec la lame cardinale, tu envoies des bus. 44% pour le 3, 50%, et c'est un gain de 10 de nourriture. Putain, vous êtes pas prompté pour l'instant, à chaque fois qu'on dépouille un cadavre, ça marche. On a tellement de bouffe qu'on sait plus quoi en faire. Parfait. Le solstice d'hiver. Alors l'autre fois, on avait fait ce tour-là, ce serait pas mal d'y arriver cette fois. Durant la plus longue nuit d'hiver. Ah oui, parce que oui, on l'avait fait, mais parce qu'on sait pas du tout en fait ce qu'il faut faire pour l'instant. C'est-à-dire que oui, on est drogué, on se drogue avec des habitants du village. Aucune bénédiction dans l'inventaire. Ah. Oui, forcément, on n'a plus de bénédiction, donc ça... Ok. Donc du coup, bah oui, voilà. Bah en fait, c'est rapide. Prière du temple. D'accord. Je sais pas sur quoi je suis tombé. Ah, c'était tombé sur la bifurcation. Bah super. Alors, prière du temple qui va nous donner une bénédiction. Bon, on a beaucoup d'argent, donc c'est très bien. On va aller la prendre. Voilà. On peut sélectionner... Esprit humble, c'est quoi ça? Vous recevez plus 30 de vie max quand aucune carte platine n'est équipée. Bah oui. Vas-y, hein. Ça me va, moi. Ok. Next. Ah, merci. Alors ça, c'est le don des viewers. Merci à vous pour votre petit don. Vous voyez une maison esselée. Alors là aussi, on a un don d'argent à gagner. Les occupants, un fermier et sa famille vous saluent alors que vous approchez. Le fermier se tord nerveusement les mains. Tentant de ravaler sa fierté, j'imagine que vous ne pouvez pas laisser un peu de nourriture à ma famille. Nous n'avons que peu de provisions pour passer l'hiver. Nous en serions très reconnaissants. Alors on est pété de nourriture, donc clairement... Vous vous rappelez qu'en notoriété, ça marchait bien. L'autre fois, les enfants, on leur a donné, on a gagné 8 de notoriété. Sachant que là, il nous manque 4 de notoriété. Ça peut être très cool de leur filer grave de la bouffe. Je pense que tout le monde était d'accord avec moi. C'est parti à 100%. Ah non, pas tant que ça s'est départagé. Alors, que choisissez-vous, chers amis? La vie, la mort de la mort de la vie. 8 de nourriture. Eh bien, du coup, nous allons... Une pomme égale une pub YouTube. Oui, ça marche bien, ça. Donnez 8 unités de nourriture. Que ces plébiens mangent à leur faim. En donne 8 de nourriture. Que votre âme soit bénie, s'écrie le fermier, alors que vous lui tendez la nourriture. 2 de notoriété. C'est bien plus que je n'aurais espéré de la part d'une personne que je ne connais pas. Je parlerai de cette bonne action autour de moi. Je vous rendrai l'appareil de mieux que je peux à la saison des récoltes. Le dealer ajoute une carte au deck de rencontre. Vous gagnez 2 de notoriété. Il y a certains scénars, tu sais pas. Ah, récolte. Ah, oh, et du coup, c'est à la récolte que tu continueras... Tu passeras à récupérer tes gains. Ah, c'est stylé. Genre le paysan qui te remerciera, mais dans un futur, quoi. Pas mal. Ah, on a l'enfant perdu. Oh, vous connaissez le truc de l'enfant perdu. Est-ce qu'on le sauve ou est-ce qu'on l'emmène au donjon? À vous. Pendant les combats, faut leur demander s'ils connaissent Utip. Utip. Je vais faire une chanson sur Utip, vous inquiétez pas, je vais la composer. Qui sera dans le best fouf, évidemment, hein, parce que... Cette fois, j'ai fait de la guitare encore. Et vous savez, ce truc, je sais pas pour ceux qui jouent de la guitare, mais moi, bon, moi je joue du piano de base, hein, régulièrement, ça y a pas de problème. Debout, mais par ouais. contre, la guitare, on va dire que c'est occasionnel, quoi. J'ai une guitare, donc je joue un petit peu de temps en temps, mais c'est vraiment pour le lol. Et là, il y a pas si longtemps encore, je suis arrivé et je commence à jouer. Et tu sais, ce truc où tu pars, t'es trop dans ton trip, donc tu joues, tu t'improvises, tu fais des trucs et tout. Sauvez le garçon, ok, ça marche, on y va. Alors je suis là, je m'éclate et tout. Et là, je me déchire le doigt, tu sais, parce que je joue pas avec un médiator. J'aime bien jouer avec les doigts. Et je me suis éclaté. Les soldats impériaux ne craignent pas ma menace, donc oui, on va se retaper des... Ah, attends, ils ont c'est des nouveaux soldats, là, c'est pas les mêmes.
un autre enfant perdu, un autre scénar, je crois. Et du coup, ouais, je me suis éclaté le bout du doigt, mais genre, tu sais, tu t'arraches la peau avec les cordes. Et Et bah, c'est pas très joyeux. À chaque fois, je me rends compte, mais que à la fin. Alors, l'expansion de l'Empire nécessite un approvisionnement constant de nouvelles recrues. Les soldats bloquent toutes les attaques, réduisant grandement leurs dégâts. Utilisez des frappes pour les rendre vulnérables aux dégâts. Il s'est reculé le bâtard. Recule pas, Billy. Comment il est mort par terre. Alors, anneau de rubis. Vini, gagnez 10 points de vie max tant que vous n'avez pas de bénédiction. Plus, vous avez plus de bénédiction que malédiction, d'accord. On a beaucoup de vie max là. Hein. Waouh. En fouillant les gardes inconscients, vous remarquez que le garçon vous regarde. Voilà, donc à chaque fois il va nous jauger. Et là, il faut se le jouer au dé. Ok. Donc là, tant qu'il y a à faire, on va tout relancer, hein. Et on prie! D'accord. Donc voilà ce qui se passe. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas réussi. Le garçon disparaît dans la forêt. Vous l'entendez hurler non loin de vous. Les pilleurs sortent de leur cachette et le garçon crie « Leur avant-poste est par là !» Empêchez les pilleurs d'attaquer l'avant-poste ou laissez les pilleurs attaquer. La dernière fois, vous m'aviez fait empêcher. Si jamais. Si jamais vous voulez. Voilà. Alors... Ouh, ma manette. Les récupérer en plein vol, laisse tomber. Alors pour la notoriété, c'est pareil, il faut toujours viser la notoriété. Ils l'ont mérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Empêcher les pilleurs. Ah! Très bien. Il mérite de mourir car il protège l'enfant traître. Du coup, vous avez changé d'avis. Et c'est finalement, vous voulez empêcher les pilleurs d'attaquer l'avant-poste. Du coup, on va... se rebattre, bah au moins il y a de l'action sur celle-là. Parfois on joue beaucoup aux cartes, mais là on est plus dans l'action. Hein. Ah, il me gèle. Sans résistance, ces salauds là. Paf. Aïe! Ah,
Ok. On gagne quand même 2 de notoriété. Le courroux de Hertha a le goût des choses simples. Ça y est. On l'a débloqué. Bon, du coup, on va prendre le gros marteau. Égide vaillante. Et de l'argent. Ok, on a beaucoup trop de thunes. Digne du marteau. Vous faites tourner courroux de Hertha dans vos mains. La rune commence à émettre une lueur dorée. Vous n'arrivez pas à déterminer avec certitude si l'arme pèse moins lourd ou si vous avez gagné en force. Mais dans tous les cas, vous êtes maintenant capable de manier le puissant marteau. Malaclips l'observe avec admiration. Eh bien, nous pourrions en tirer un bon prix sur les marchés, mais premièrement, utilisons-le pour briser la barrière du camp des pilleurs nordistes, tuer la chamane et arrêter les pillages une bonne fois pour toutes. Le sanctuaire. Ah, du coup, ça... Ah oui, ça a été direct. Localiser et terrasser la chamane. Du coup, ça change tout de suite l'objectif. En fait, on tombe tout de suite sur... Ah là, l'ancien Talos avait raison, remarque Malaclips. Le sanctuaire de la chamane est protégé par une barrière magique. Vous feriez mieux de tenter votre chance avec le marteau. Vous élevez le courroux de Hertha au-dessus de votre tête, la battez de toutes vos forces sur le mur magique. Le marteau frappe sa cible, vous êtes submergé par un blizzard de neige et de glace. Des vents violents vous secouent dans tous les sens, puis disparaissent aussi soudainement qu'ils sont apparus. Ayant perdu vos repères, vous cherchez Malaclips du regard, vous ne le trouvez pas. Vous reprenez vos repères et prenez conscience que vous vous trouvez dans une clairière couverte de neige. Vous reculez et percutez quelque chose. En vous tournant, vous retrouvez face à un immense guerrier nordiste, chauve à l'air brutal. Il fait au moins preuve de force brute. Le vagabond, il ne bronche pas, vous ne semblez pas l'intéresser le moins du monde. Il se tient debout, armes dégainées et sourcils froncés. Vous vous tournez pour suivre son regard. Oh, alors vous le voyez... Assise sur le trône d'épines et d'osiers, des breloques en paille de toutes sortes, des bizarreries pendues aux arbres derrière elle. Devant elle, un nombre incalculable de pilleurs sont agenouillés, vénérant leur chef dans un silence inquiétant. Le défenseur des villages et l'exilé siffle la chamane. Elle redescend de son trône. Je sais pourquoi vous êtes là, finissons-en. J'espère que vous savez vous battre, dit calmement le nordiste chauve. Ils sont trop nombreux pour vaincre un serpent, il faut lui couper la tête. Vous dégainez votre arme alors que la chamane et ses alliés vous encerclent. D'accord, du coup on a un nouvel allié et on a le gros marteau. On a pris mon marteau ? Ah, du coup je peux pas utiliser mon marteau ? Ah. Ah. Garda, chef des pilleurs. Le chef des pilleurs constitue la première ligne des troupes d'assaut du Nord. Et le cœur de la conduite tactique et religieuse. La chamane lance des sorts qui soignent ses alliés. Attaquez-la rapidement pour interrompre le sort. Ah si, j'ai le marteau. Ah d'accord. On va tuer la chamane en premier alors, hein. Le bug. Elle twerk. Elle écartait les... C'était quoi cette fin de scène? Genre t'as les gens qui faisaient... C'est quoi ce twerk bizarre? Le corps de la chamane est secoué alors qu'un esprit sombre s'échappe de sa poitrine et s'évapore. Les pilleurs restants fuirent vers la forêt. Le chamane s'est transformé en crêpe. Le ciel s'éclaircit et un rayon de soleil illumine le guerrier colossal qui a combattu à vos côtés. Je m'appelle Kobjorn, explique-t-il. Je suis originaire des clans nordistes. Mais je n'ai plus de clan à présent. Vous ne nous connaissez pas, mais nous n'avons pas toujours été comme ça. Peut-être qu'un jour, les clans retrouveront les traditions qu'ils ont perdues. Kobjorn, le vagabond, est devenu votre ami.
Vous et moi, nous avons quelque peu restauré mon honneur bafoué aujourd'hui. Si vous avez besoin de moi, je serai là. Il tend une main massive et agrippe votre avant-bras. Revenons sur nos pas et allons trouver votre compagnon. À ces mots, vous retournez dans la forêt avec Coldjorn à la recherche de Malaclipse. Another card returns to my deck. Do not worry, I have more challenges before you will be ready to face my foe. Well done. Alors, du coup, pour avoir vaincu la chamane du Nord, un autre nordiste tombe devant vous. Voilà, un nouveau compagnon rejoint votre aventure. Armure de gourmandise, anneau de nourriture. Ah, on commence à avoir des armures là, c'est bien, parce qu'on n'avait pas beaucoup. Pour avoir vaincu le chamane du Nord, tour de garde, embuscade des pilleurs, assaut sur le pont. Pour avoir prouvé votre valeur, le courroux de Hertar. Pour avoir lié votre amitié avec Colbjorn, clan œil clair. Le vagabond. Ah, l'œil clair aussi, d'accord. Et maintenant, la pièce en or. Pour avoir défendu tous les villages, les présents des anciens. Ok. L'esprit du twerk. You have done well. You understand the oh, ah oui, je me disais aussi qu'il y avait plus de scénars, ok. Ah, tu débloques plein de trucs, d'accord, c'est pas fini. Je disais, parce que je crois qu'il y a 22 scénars. Bon, nice. Ben, vous savez quoi, je vais quand même m'arrêter là, parce que j'ai Fly for Fluns à faire demain, et il faut que je m'y mette bien, faut pas que je me lève trop tard. Donc, parce qu'il y a les doublages, il y a l'animation qui va prendre beaucoup de temps. Donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est drôle, vous commencez à aller vous coucher et moi je vais bientôt souper. Bah ouais, moi c'est pareil, là, il est 23h, tu vois. Et 23h, bah, on va se reposer parce que demain je me lève tôt, à l'aurore. Je me lève tôt pour bosser. Donc du coup, on s'arrête là-dessus. Et encore un live qui finit tôt. Bah en ce moment, j'en ai besoin parce que bah, mes tournages, tout ça, hein, clairement, ça demande beaucoup de temps. Donc là, priorité un petit peu aux vidéos pour bah voilà, que FFF se termine enfin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent Fly for Fluns, et donc du coup je ne veux pas faire attendre trop longtemps non plus, donc du coup voilà, c'est quand même des lives, c'est déjà bien. Bon, j'aurais pu dire qu'il n'y a pas de live, mais je fais quand même les lives. Et on se retrouve bien sûr demain, un peu plus tôt, je pense que ce sera pas 21h, peut-être vers 18h, parce que à 18h, on a, enfin je sais pas encore quelle heure ce sera exactement, ce sera 10 sur Twitter, on sera sur For the King, il y aura Désastre avec moi et Dark Shadow du coup qui seront présents, donc du coup sur For the King, donc du coup voilà, on se retrouvera donc à partir de demain un peu plus tôt, pour un live qui sera assez long, vous savez les parties de For the King c'est pareil, c'est des parties qui sont super longues. C'est pas que je me fais vieux, Negabotchi, c'est pas que je me fais vieux. Je dors pas beaucoup, mais c'est juste que si je peux profiter de ma journée entière au lieu de me lever tard, clairement c'est cool quoi. Pour avoir un live à 12h. Alors, midi, non, faut pas déconner non plus. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas, vous avez Utip. Hein, connaissez Utip toujours, hein, la petite publicité. Vous pouvez en regarder jusqu'à 4 par jour. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 4 non plus. Hein, mais voilà. Pour soutenir, je vous laisse pendant 2-3 minutes. Là, je vais mettre une petite musique dans l'ambiance. Voilà, vous pouvez. N'hésitez pas si jamais vous pouvez écouter, ça me soutient énormément. Je mets plus de pubs sur Twitch, hein, de toute façon. Sauf ceux que vous avez quand vous vous connectez, mais il n'y a plus de pubs sur Twitch, comme toujours. Voilà, des gros bisous. Et on se dit à demain, du coup. C'est qui, Désastre? C'est un streamer qui est très connu sur The Elder Scrolls Online. Il fait souvent des trucs avec Bob Lennon, Joueur du Grenier, tout ça. Ils font des OP sur The Elder Scrolls. Et Désastre était spécialisé dans The Elder Scrolls de base. Donc voilà. Donc on le retrouve demain avec nous, avec Dark Shadow. Et voilà. Reposez-vous bien. Et puis voilà, hein. À demain. Tchuss. Des bisous. J'ai oublié la musique. C'est con. Il n'y a pas mis de musique. Ah, il n'y a pas mis de musique. Ah. Voilà. Bonne soirée. N'oubliez pas YouTube.